Bonjour et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à ce que Mutation appelait le pari du MRC au cours du meeting à Péripétie, en Consamba, pour reprendre les termes du journal Émergence, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a annoncé que son parti politique participera aux élections de 2025 et pour les gagner, a martelé le principal challenger de Paul Biya à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Pour le journal, l'anecdote, c'est la reconquête du MRC et la fin des boycotts lancés en 2020. Pour Naja TV, c'est un rétropédalage. Le journal donne la parole à des analystes qui indiquent que le MRC a décidé de rentrer dans le jeu institutionnel. Comment comprendre cette polémique au sujet de l'annonce faite par le MRC de participer aux prochaines consultations électorales? Est-ce un rétropédalage ou tout simplement de la réelle politique mise en place par un parti politique qui adapte sa tactique en fonction du terrain, pour reprendre mot pour mot le président national de cette formation politique, Maurice Kamto lui-même? Et maintenant, sur le terrain de la carte nationale d'identité, une autre polémique enfle au sujet de Foundiko Daouda, du nom de cet homme qui est accusé d'avoir saccagé le commissariat de Foumbot et qui a été déféré à la prison de cette ville du département du Noun, dans la région de l'Ouest Cameroun. Selon des témoignages de celle qui se présente comme sa compagne, et bien des témoignages transcrits par Actu Cameroun, un journal en ligne, Foundiko Daouda a fait établir sa carte nationale d'identité à Foumbot et depuis 3 ans, le document n'a pas été délivré. Ces navettes entre Foumbot et Douala, sa ville de résidence, pour faire proroger la date d'expiration de son récépissé, commençait à l'exaspérer. Surtout que ce jour-là, selon les témoignages, l'officier de police en poste a refusé de proroger la date de son récépissé, prétextant que le document était devenu illisible. Il s'en est suivi une bagarre, au terme de laquelle il a été immobilisé et mis en garde à vue avant d'être déféré plus tard. Pour certains, c'est l'expression d'un ras-le-bol qui est compréhensible, alors que pour d'autres, ce n'est qu'un vandale qui doit répondre de ses actes. Mutation indique que cette scène au commissariat de Foumbot rappelle le calvaire persistant lié à la non-délivrance du précieux document dans des délais raisonnables. Jeune Afrique, qui indique que le Cameroun fait face à une pénurie de cartes nationales d'identité, rappelle qu'en janvier dernier, dans une situation de crise similaire à celle-ci, eh bien, les autorités camerounaises avaient évoqué des dysfonctionnements techniques et un changement d'opérateur. L'opération Je veux ma carte nationale d'identité, lancée il y a quelque temps sur la toile, avait amené les autorités à réagir, indiquant que 245 000 cartes nationales d'identité étaient en attente de retrait. Comment mettre un terme à ce scandale de la carte nationale d'identité, pour reprendre les mots à la petite une de Le Messager? Le ministre Joseph Ley, lui, par contre, semble avoir ou savoir ce qu'il faut faire pour mettre un terme à l'absentéisme chronique des agents publics dans les administrations. Il a décidé tout simplement de licencier les agents publics en situation irrégulière. Dans un communiqué rendu public le 13 octobre dernier, il indique que le gouvernement a revoqué 1408 personnels de ses effectifs grâce à l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Chiffre atteint avec la révocation d'office de 56 fonctionnaires publics ou encore de 859 agents publics en situation irrégulière. Au cours de la phase contentieuse, apprend-on, 8 776 personnes étaient attendues et seules 601 personnes se sont présentées et ont été auditionnées par le Conseil permanent de discipline de la fonction publique. De quelle efficacité peut être une telle opération dans la lutte contre l'absentéisme chronique à la fonction publique et dans le projet d'assainissement du fichier solde de l'État? Cette fois-ci, est-elle la bonne, après les expériences de l'opération Antilope ou encore de CIGPES 1 et 2, entre autres? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses de ce dimanche 16 octobre 2022, en direct de Yaoundé avec nos invités. Sur ce plateau, ce dimanche, j'introduis Edmond Kanga. Edmond, bonjour. Bonjour Duval Fangoua, bonjour à tous les co-panélistes, en particulier à deux d'entre eux, dont les retrouvailles sont très appréciées par nos téléspectateurs.
Je veux parler en particulier de Fadimato Natacha Mimché Bengono et d'Aristide Mono. Je renouvelle mes salutations cordiales, fraternelles, amicales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Merci Edmond Kambia d'être sur ce plateau ce dimanche. Vous êtes éditorialiste, à la nouvelle expression, et consultant dans cette émission de Droit des réponses. J'introduis Willy Mengue, bonjour. Bonjour Monsieur Fangoua. Bonjour aux téléspectateurs de Equinox TV dans le cadre de cette émission dominicale. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Il faut tout de même dire que le MRC ne se porte pas bien cette semaine. C'est une semaine endeuillée pour le MRC parce que dans nos rangs, nous avons perdu il y a deux jours l'un de nos camarades, l'un de nos amis politiques, Monsieur Umbu Titus, qui a succombé à la tuberculose qu'il a contractée au quartier 9, quartier dit Kosovo, à la prison centrale de Yaoundé. Il était dans la vague des arrestations du 8 juin 2019. De là, il a contracté la tuberculose. Il s'est retrouvé mort dans sa chambre à Bamenyam. Puis, c'est donc une douleur, une tristesse qui accompagne toutes les autres douleurs que le MRC a déjà eu enregistrées dans le cadre de ses prisonniers. C'est peut-être l'occasion, si vous permettez, d'interpeller les magistrats qui sont en charge des procès MRC, qu'ils doivent comprendre que, quel que soit le cas, la loi et la conscience sont les deux leviers sur lesquels les magistrats de siège s'appuient pour rendre justice. Les procès du MRC n'ont aucun fondement juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas des procès juridiques. C'est la haine qui anime ces procès. Et tous ces morts que nous en sommes aujourd'hui sont sur la conscience de ces magistrats. Je parle devant la caméra, ils doivent comprendre qu'il y a une responsabilité qui les interpelle. Merci Willy Mengue, je rappelle que vous êtes ce qu'on appelle au MRC le monsieur infrastructure dans cette formation politique. Merci d'être venu sur ce plateau ce dimanche. Natacha Fadimato Bengono, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Monsieur Duval, bonjour aux copanélistes. Bon, je suis ravi d'entendre que les Camerounais sont contents de nous retrouver. Je ne sais pas s'ils sont contents ou bien ils l'ont dit à M. Edmond Kamguia, puisque après, si je me réfère à ce à quoi ils penseraient, M. Mono et moi avions fait plusieurs émissions et nous avions toujours l'habitude de le dire, ce sont des débats d'idées et non des débats de personnes. Et mon président le disait fort à propos, il faut débattre et non combattre. Donc c'est un plaisir de nous retrouver à Equinox Soir et davantage un privilège pour moi de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc merci à cette hiérarchie qui chaque jour me fait confiance pour porter cette voix qui n'est pas très à la portée de Monsieur tout le monde du comité central sur les plateaux des télé et des radios. Merci Natacha Fadimato d'être venue sur ce plateau. Vous êtes communicante du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Aristide Mono, bonjour et bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs de Gloire des Réponses. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds à vos invitations, des invitations qui s'affirment comme des opportunités, des occasions pour nous autres de pouvoir nous acquitter de notre taxe républicaine, notre taxe citoyenne, notre taxe patriotique et nationaliste. Parce qu'au-delà de nos petits calculs, nous avons en commun le Cameroun. Et qui dit Cameroun dit forcément la nation camerounaise, la communauté des Camerounais. Alors pour nous autres, on a toujours estimé que n'ayant pas toute la fortune colossale pour peut-être faire dans des œuvres caritatives, humanitaires, la seule chose que nous avons à offrir aux Camerounais, c'est ce que le plus haut nous a donné, ce courage et la capacité de dire les choses de manière simple et froide, sans état d'âme, dans le but de pouvoir édifier les Camerounais, parce qu'une nation démocratique ne saurait se construire sans démocrate, et ne peut être démocrate que celui qui a une certaine culture
démocratique et cette culture passe donc par les appareils idéologiques de l'État, parmi lesquels les médias, et je pense que Equinox sur ce point tient le peloton, je ne vais pas dire se trouve dans les cimes, le parangon de la politisation des masses au Cameroun. J'imagine un Cameroun sans Equinox, sans Cameroun One Way, où on a affaire à la même idée, un discours qui veut que tout soit dans une logique unanimitaire, alors qu'avec le média, je pense qu'il y a, au regard des retours que nous avons au quotidien, il y a un impact réel. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons à clencher entre les différentes invitations, le choix est d'abord porté vers la maison mère qui est Equinox Télévision et qui nous aura tué la nouvelle expression. Merci Aristide Monod, vous gardez la parole et nous allons justement nous intéresser à un sujet qui préoccupe le peuple, puisque Equinox Télévision, c'est bien évidemment la télévision du peuple. C'est cette question de carte nationale d'identité. Le prétexte nous est fourni cette semaine encore par cet incident survenu au commissariat de Foumbot avec le nommé Fundiku Daouda, qui s'est rendu dans ce commissariat pour faire proroger le délai, la date de délai, la date d'expiration, n'est-ce pas, de son récépissé. Eh bien, il a eu quelques démêlés avec l'officier de police en poste là-bas. Il s'en est suivi une altercation. Au terme de cette altercation, eh bien, il a été immobilisé et gardé à vue. L'affaire a fait le tour des réseaux sociaux. On a vu l'image de cet homme assis à même le sol dans un commissariat, menotté, l'air hagard. Cela a fait le tour des réseaux sociaux, je l'ai indiqué, et une polémique est née sur le traitement à infliger à ce jeune homme. Nous n'avons pas la prétention ici de faire le travail de la justice qui, bien évidemment, va se prononcer sur cette question. Mais on parle d'un individu qui, depuis 3 ans, attend sa carte nationale d'identité, qui veut faire proroger la date d'expiration de son récépissé et qui se trouve dans une situation comme celle-là où, finalement, il est arrêté, détenu, puis finalement, on l'a dit, déféré. Alors, est-ce que vous comprenez la polémique entre ceux qui estiment qu'il bénéficie des circonstances atténuantes au regard de la situation qu'il a vécue et ceux qui pensent que ce n'est qu'un vandale qui doit répondre de ses actes? Je pense, Duval, que M. Fundiku est le prototype du Camerounais exaspéré par ses retards, par ses différentes réticences observées dans l'établissement et la délivrance des cartes nationales d'identité au Cameroun. Il n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je pense que si on procède à une étude, on pourrait se retrouver avec beaucoup de millions de Camerounais en situation d'attente éternitaire de ce document qui ailleurs semble s'insérer dans les documents, la catégorie des documents les plus basiques, au même titre que les actes de naissance. Vous voyez que tout est problématique dans notre pays. Ça pose d'abord le problème de la faillite de l'État. L'État faillit pratiquement à tous les niveaux, au niveau sécuritaire, au niveau de la production des utilités de survie, également au niveau de la production des titres d'identité. Les autres parlent du collapse state, c'est-à-dire l'État effondré, l'État fantôme. Parce que si aujourd'hui les besoins basiques des Camerounais ne peuvent pas être résolus de manière facile, de manière rapide, ça signifie que l'État n'existe plus. L'État qui est dans l'incapacité de pouvoir satisfaire sa propre population, lui offrir ces éléments qui permettent de se déployer, par exemple, dans le marché de l'emploi, dans le marché de la récolte des connaissances, dans le marché des voyages, dans le marché économique. Ça devient assez inquiétant parce qu'il n'y a aucune possibilité de se déplacer, de mener une activité sans déplacement. Et qui dit déplacement fait référence forcément au contrôle routier, contrôle de police. Il vous faut donc forcément cet élément qui vous permet de braver ces contrôles, qui, quand on parle de braver, c'est parce que ce sont en fait des obstacles qui sont créés par l'État pour empêcher la circulation sereine de sa population. Ces éléments qui permettent également d'identifier l'individu en cas d'accident, en cas d'incident, forcément, il va falloir qu'on fouille dans votre portefeuille. Mais du moment où l'État n'arrive pas à comprendre la nécessité, le bien fondé de l'établissement et de la délivrance rapide de ce document, ça questionne.
incapacité également de l'État ou la faillite de l'État dans le sens de l'érosion de ces mécanismes-là, c'est-à-dire qu'on arrive, ces mécanismes qui doivent aider à produire, à établir les cartes nationales d'identité. On a essayé avec des expertises étrangères, la SACEL, Gemalto. On se rend compte que en fait, c'est pratiquement les mêmes situations, ce sont des mêmes récriminations. Alors, on se pose bien la question de savoir, est-ce que l'État ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'il faut toujours faire recours à l'expertise étrangère? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, donner la chance aux Camerounais? Nous avons des gars du côté de Bonas qui produisent des documents avec une certaine célérité. Alors pourquoi il faut toujours aller faire affaire avec des multinationales? Et c'est à ce moment qu'intervient en fait la troisième observation, qui est celle de l'État grilleur, c'est-à-dire qu'on est passé de l'État en faillite, qui n'arrive pas à satisfaire sa population, qui n'arrive pas à produire, à mettre sur pied une industrie de production des titres d'identité. On a maintenant cet État grilleur d'arachides, c'est-à-dire que qui a créé des petites poches de consommation des arachides en offrant des opportunités à ceux qui les grillent de pouvoir prendre leur part. Et c'est là où interviennent donc les différentes taxes illicites, des taxes informelles qu'il faut maintenant payer pour obtenir une carte nationale d'identité. La machine est bien huilée du début jusqu'à la fin du processus. On a des éléments à qui on a donné cette possibilité-là de consommer un peu d'arachide dans le processus. L'État lui-même impose des taxes assez colossales, impose des dépenses assez colossales aux populations pour un document qui, ma foi, ne leur produit rien de fondamental du point de vue financier ou économique. C'est-à-dire que ça devrait être la chose la mieux partagée. Mais malheureusement, les populations sont soumises à la surenchère, sont soumises à un certain mercantilisme payant où les individus en charge de donner, d'offrir ce service public de manière gratuite, aux Camerounais, se donnent des libertés d'imposer les montants particuliers, c'est-à-dire que 30 000 francs, 50 000 francs, et Dieu seul sait qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette carte, quels sont des moyens qu'on peut mobiliser, quels sont les sacrifices qu'on peut consentir pour avoir cette carte nationale d'identité. Et ça pose problème beaucoup plus au niveau des préjudices causés, je les ai relevés tout à l'heure. Alors, si l'État du Cameroun n'arrive pas à intégrer la nécessité, le bien fondé de la délivrance de l'établissement rapide de cette identité, on se demande bien par où on va commencer pour permettre aux Camerounais de se mouvoir à l'intérieur de leur territoire et à l'extérieur de ce territoire. Et pour le cas particulier de M. Fondikou, je pense que nous devons, à un moment donné, on doit avoir un droit mou. C'est vrai, on n'a pas le droit de se faire justice dans un service public. Il y a des mécanismes, même si ces mécanismes, en fait, ne nous garantissent absolument rien, mais il faut quand même les respecter, la sacralité du service public, la sacralité du lieu public. Mais il faut également intégrer que cette situation est du fait de ce qui tabasse aujourd'hui M. Fondikou, parce que c'est le policier ou alors la police qui refuse de vous délivrer votre carte d'identité. C'est cette même police qui vous arrête dans des contrôles, c'est cette même police qui vous réprimande, c'est cette même police qui n'arrive pas à comprendre votre courroux lorsque vous êtes mécontent dans ces services. Donc je pense que le droit doit être mou, le droit doit être humain. On doit accorder les circonstances à ce monsieur et il faut qu'au niveau national, parce que ça devient un peu de gros, que la haute hiérarchie, peut-être les hautes instructions seigneuriales de la présidence de la République peuvent peut-être mettre un terme à cette souffrance en essayant de nationaliser la production de cette type d'identité. L'expertise au Cameroun, on peut en trouver partout, également faire des efforts de dire à ceux qui ont fait de l'établissement de ce document tout un commerce de renoncer à leurs appétits, à leurs prétentions financières. Edmond Kambia, la question a été traité par la plupart des journaux cette semaine. Le journal Jeune Afrique, par exemple, dit que le Cameroun fait face à une pénurie de cartes nationales d'identité. Le journal Mutation dit que cette CNI rappelle, enfin, c'est ce problème enregistré, n'est-ce pas, au commissariat de Fumbot,
cette semaine rappelle donc le calvaire persistant lié à la non-délivrance, n'est-ce pas, de ce précieux document dans des délais raisonnables. Et il y a Cameroun Magazine qui indique que Fundiku Daouda aujourd'hui apparaît comme le symbole de la lutte du peuple pour la délivrance diligente de la carte nationale d'identité. Comment expliquer que ce calvaire persistant des populations n'arrive pas à être réglé par les pouvoirs publics? Est-ce que vous partagez l'analyse qui vient d'être faite par le docteur Monod? Oui, je partage entièrement l'analyse faite par le docteur Aristide Monod. Je partage également les informations qui ont été données, qui ont été révélées par les journaux au cours de cette semaine relativement à cette affaire. Parce que les médias sont dans leur rôle. Lorsqu'ils rendent compte de ce qui s'est passé, ils analysent et commentent en relation avec le problème crucial d'absence, de pénurie de la carte nationale d'identité au Cameroun depuis plusieurs années et mettent en perspective les conséquences possibles d'une telle affaire. Maintenant, il faut dire que l'affaire Fundiku, je l'espère, ne sera pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que partout dans les pays, en Afrique comme partout ailleurs, en Europe, aux États-Unis, il y a des faits qui peuvent apparaître d'emblée banals, qui rentrent dans les faits divers, mais qui, à la fin, sont l'élément qui déclenche tout. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Tunisie. Ce jeune homme qui vendait, n'est-ce pas, des vivres au marché, qui a été bousculé par une policière. Le gars s'est immolé. Bouazizi, s'appelait-il. Et on a vu comment, à la fin, c'est ça qui a fait partie le chef d'État tunisien. Ça a été la goutte d'eau qui fait déborder. Et déclencher ce qu'on appelait dans le monde arabe, le printemps arabe. Le printemps arabe, pour le cas de la Tunisie. C'est un exemple que je prends pour dire qu'il ne faut pas négliger ce qui s'est passé à Fumbot. Il ne faut pas négliger l'affaire Fundiku. Parce que le problème qui s'est posé là est un problème réel, récurrent, permanent, qui ne concerne pas que lui, mais beaucoup de Camerounais anonymes, qui ne sont pas connus. L'affaire a été médiatisée. C'est la raison pour laquelle l'affaire a circulé sur les réseaux sociaux. Les journaux s'en ont approprié et on débat aujourd'hui sur ce sujet grave. Je dis ce sujet est grave parce que la carte nationale d'identité, c'est le document, le principal document officiel d'identification du citoyen. En droit, vous pouvez être arrêté pour défaut de carte nationale d'identité et vous retrouver en cellule, en justice et en prison. Pour défaut de carte nationale d'identité. La loi fait obligation à tout citoyen de présenter sa carte nationale d'identité à toute réquisition. C'est la raison pour laquelle nous pensons que M. Fundiku était dans son rôle de revendiquer sa carte nationale d'identité. Il avait un problème qu'il a posé et dont on a parlé. Il dit qu'il avait besoin de sa carte nationale d'identité pour procéder aux opérations bancaires. Son épouse est enceinte, il n'a plus d'argent. Et les banques ne vous facilitent pas le déblocage de votre argent quand vous n'avez pas la carte nationale d'identité. Et je rappelle ici que vous allez à la banque avec le récépissé, non, vous ne écoute pas. Personne ne vous suit. On dit apportez la carte nationale d'identité. Le récépissé, visiblement, n'a pas la même valeur que la carte nationale d'identité lorsque vous procédez à certaines opérations. C'est la raison pour laquelle nous pensons. Il est urgent qu'au niveau des commissariats de la République, qu'il y ait une célérité sur la question de la carte nationale d'identité. Et ça, cela nous permet d'interpeller la hiérarchie du délégué général de la sécurité nationale. Et tous ses collaborateurs prenaient à cœur cette affaire. Et il me rappelle, même il y a quelques mois et même quelques années, il y a eu une communication forte sur la question au niveau des autorités qui nous rassurait que bientôt, avec le nouvel opérateur, les cartes nationales d'identité seront disponibles dans des délais raisonnables. Malheureusement, plusieurs mois après, on se rend compte que rien n'a changé du tout. Les mêmes dysfonctionnements continuent. Plus grave, il y en a qui ont des récépissés qui durent pas seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, même 4 ans, 5 ans et davantage, et qui donc sont fragilisés, sont rendus vulnérables lorsqu'ils veulent procéder à certaines opérations, comme celles que j'ai appelées les opérations bancaires. Il y a dans les déplacements de ville en ville au Cameroun. Je prends un seul exemple. L'entrée et la sortie de la ville de Yaoundé.
Vous n'avez pas votre carte nationale d'identité, vous descendez. Votre carte est périmée, ou même si vous l'avez, si vous avez le récépissé, vous descendez du car. Et vous devez négocier auprès du policier pour rentrer dans le car, dans le bus qui vous ramène à Douala. Et ce n'est pas juste. Parce que l'absence de ce document fait en sorte que les Camerounais, malgré eux, se retrouvent dans des opérations de corruption avec des acteurs de la police que je ne vais pas citer. J'ai pris un seul exemple. Entrer et sortir de la ville de Yaoundé. Vous n'avez pas votre carte nationale d'identité. Vous négociez pour rentrer dans le bus. C'est connu de tous, même si personne ne le dit. Et ce n'est pas normal. Et ça se fait également dans d'autres villes, d'une ville à une autre. Lorsque vous êtes interpellé, même quand vous quittez Douala pour l'Ouest, vous êtes interpellé dans les barrières de police. Si vous n'avez pas votre carte nationale, vous descendez du car. Si vous voulez continuer, vous négociez. Et quand je parle de négocier, c'est de faire un geste. Et ce n'est pas bon quand on a un état de droit qui lutte contre la corruption. Or, l'établissement de ce document aurait permis d'éviter toutes ces tracasseries administratives, toutes ces tracasseries dans les déplacements, aurait même facilité, comme je disais tantôt, la mobilité sociale, aurait également rendu moins pénible le vécu quotidien des Camerounais. Si je ne peux m'arrêter que sur ce point, je vais chuter. Je vais achever mon premier propos sur cette question en disant que il faudrait, plus que jamais, et en cela je rejoins Aristide Monod, qui pense que derrière cette question, il y a une question de souveraineté. Et cet aspect est majeur, il faut le soulever. Nous ne devons pas donner tous les éléments de notre identification à des structures que nous ne maîtrisons pas de manière totale. C'est-à-dire, il faut nationaliser cette affaire. Il faudrait que ceux qui nous délivrent la carte nationale d'identité soient véritablement une structure camerounaise, à 100% camerounaise. Ça ne doit pas être fait par des étrangers. Ça doit être fait par des Camerounais au Cameroun parce que nous avons l'expertise nécessaire dans ce domaine. Sur cet incident survenu au commissariat de Foumbot et sur la question de la délivrance de façon globale de cette carte nationale d'identité et tous les problèmes rencontrés par les Camerounais, quelle est votre analyse de cette question? Comment on en arrive à une situation où les gens perdent leur carte nationale d'identité, se rendent dans les commissariats pour obtenir les récépissés, ont des récépissés qui sont prorogés, des dates qui sont prorogées ad vitam aeternam, alors que, en principe, c'est un service qui devait être rendu dans des délais raisonnables. Il est regrettable, a priori, que en 2022, c'est-à-dire au XXIe siècle, qu'un État dit moderne, souverain, puisse encore connaître un certain nombre de problèmes. Si nous étions en 1884 ou en 1919, ou du moins avant 1960, les problèmes d'obtention du titre d'identité, avec son préalable qu'on appelle l'acte de naissance, pouvaient encore peut-être faire l'objet d'une préoccupation publique ou essentielle. Malheureusement, nous ne sommes plus en 1960. Le Cameroun s'est conçu en tant qu'État. Ça veut dire que le Cameroun a pris les responsabilités de servir non plus les indigènes que nous étions hier, mais les citoyens. On ne peut pas garantir sa citoyenneté si on ne dispose pas de deux documents juridiques qui sont essentiels. L'acte de naissance et la carte nationale d'identité. Chose curieuse, ces deux documents sont d'une rareté particulière obtenue au Cameroun dit moderne. Ça veut dire, tout de suite, on se fixe sans hésiter sur la responsabilité sociale de l'État. La responsabilité sociale de l'État. Parce que les difficultés qu'il y a à obtenir le titre d'identité au Cameroun, et son préalable, comme je vous l'ai dit, l'acte de naissance, parce que les deux ont le même problème, relève de la responsabilité, je voudrais dire, de l'irresponsabilité sociale de l'État à servir son peuple. On ne peut pas évoquer ici un problème sur la limite logicielle, défaillance logicielle ou logistique ou matérielle, non.
Parce que ces logiciels se vendent un peu de partout. Le Niger, qui est réputé l'un des pays les plus pauvres du monde, allez-vous au Niger. On demande, au Niger, ça ne coûte pas 2 semaines, 3 semaines pour avoir un titre d'identité. Allez au Togo. Ce sont les mêmes logiciels qui sont vendus en Afrique subsaharienne, utilisés quasiment par tous ces pays. C'est le même logiciel, la même logistique, le même, pratiquement les mêmes entreprises. Mais qu'est-ce que peut donc justifier qu'il y ait... Nous allons vers là. Il faut comprendre. Je vous dis que le problème est social. C'est l'irresponsabilité sociale de l'État qui est automatiquement mise en évidence ici. Regardez, quand vous tenez la raison que la Sûreté nationale évoque, que c'est la modification de la filiation, hein, de la plupart de nos compatriotes qui fait problème, certes. Alors on va se poser les questions. Oui, qu'est-ce qui motive... Pas très souvent de double identité, qu'est-ce qui motive donc les millions de Camerounais, pour la plupart en quête d'emploi, d'avoir une modification sur leur filiation? L'État ne peut pas être dédouané. Parce que vous avez le baccalauréat à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Prenons 18 ans. Je vous parle comme Ndokouti, pour comprendre le problème de fond. Vous avez le baccalauréat à cet âge-là. Vous continuez vos études. Entre-temps, vous tentez certains concours. Ça ne donne pas. L'âge ne donne plus. Or, vous avez tous ces diplômes. Il faut garantir votre survie. C'est en ce moment-là que par absence de marché de l'emploi, par absence de marché de l'emploi, par limitation des opportunités socio-économiques, que la plupart des Camerounais, en quête de survie, sont obligés de modifier les filiations. Ça veut dire, sur les diplômes, il est né à Consimban, dans le Oignon. À un moment donné, il est né à Libongo. Parce qu'il veut garantir sa survie. Parce que l'État ne lui a pas offert les possibilités d'avoir un emploi dans les délais qui correspondent à l'obtention de ses diplômes. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est quoi? L'autre problème, c'est que des gens ont beaucoup de difficultés à obtenir l'acte de naissance dans les délais. Vous savez, d'autres empruntent les actes de naissance de leurs frères. Il y a un problème à ce niveau. Quand vous allez accumuler ces données, à un moment donné, socialement, ça plombe. On se retrouve donc avec des Camerounais qui ont modifié la filiation. Le problème social qui se pose doit avoir une solution politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État responsable de garantir un meilleur avenir à tous, responsable de mettre à la disposition des citoyens d'ici et de là les opportunités, quand il ne l'a pas fait et que nous n'avons plus de chance, quand nous avons modifié, l'État doit nous accepter comme tel. Ça veut dire quoi? Il faut évacuer la piste procédurale et juridique dans l'obtention des titres d'identité pour tous ces millions de Camerounais qui aujourd'hui, vous l'avez suivi, ne peuvent plus rentrer en droit ni de faire les opérations bancaires. Certains ont des problèmes pour aller à l'étranger. Parce que ça passe par le titre d'identité authentique. Ça ne passe pas par le récépissé. Ça veut dire que les Camerounais se retrouvent endigués, pris au piège, pris dans la nasse. Donc l'irresponsabilité sociale de l'État doit engager une solution politique pour que tous ceux-là qui sont aujourd'hui coincés par des problèmes de filiation, de modification de filiation, parce que l'État sait pourquoi les filiations ont été modifiées. L'État ne peut pas vous dire qu'il ne sait pas pourquoi. Il sait. Il faut donc solder cela par une solution politique. Permettez que tous puissent avoir le titre d'identité. Nous l'acceptons politiquement. Ça, il faut cette réponse. Parce que, quel que soit le cas, il faudrait qu'à terme, 5 millions de Fondikou Daouda puissent avoir le titre d'identité. Il faut leur servir. Il faut assumer notre incapacité. L'État doit assumer son incapacité à avoir encadré, à avoir permis, ne pas avoir permis aux Camerounais d'avoir les chances, dans les délais les meilleurs, d'exploiter leurs diplômes. C'est le même problème qu'il y a eu au ministère de la Défense avec les mille recrues qui ont été... Quand vous entendez faux diplôme, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a un problème sur les filiations. Les gars modifient les filiations parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas les opportunités. Attends, or, ils doivent vivre. L'État a le devoir et l'obligation de leur donner ces possibilités-là. Donc, les problèmes de carte d'identité, à mon point de vue, quand on observe, je dis, il faut qu'on sorte des procédures et que la solution soit politique. Il faut donner aux Camerounais leur titre d'identité en oubliant qu'ils ont modifié les filiations, avant de relancer
la nouvelle procédure. C'est comme ça. Alors, Natacha Fadimatou, il y a donc cette question de carte nationale d'identité, un véritable chemin de croix pour de milliers de Camerounais qui ont besoin de cette carte nationale d'identité, qui est un document important pour les transactions et bien d'autres choses. Comment on fait pour régler définitivement cette question? Il rappelait tout à l'heure qu'il y a quelque temps, on a vu une sortie des autorités camerounaises pour rassurer les Camerounais de ce que ce problème ne se poserait plus, parce que, bon, il y avait un nouveau logiciel, en tout cas un nouvel opérateur qui était là, et que ces dysfonctionnements techniques étaient derrière nous. Alors aujourd'hui, on se rend compte que on n'est pratiquement pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous ces Camerounais qui attendent les cartes nationales d'identité puissent les avoir dans le délai raisonnable pour pouvoir exercer et jouir véritablement et entièrement de leur citoyenneté? Ok, merci M. Duval. Vous allez me permettre de revenir sur certaines choses qui ont été dites sur le plateau avant d'atterrir sur votre question, sur votre préoccupation. Je commencerai par sortir, par entrer avec là où M. Meng est sorti et qui porte d'ailleurs la voix du MRC. Bien sûr. Et je voudrais m'étonner, à la limite m'indigner de la légèreté avec laquelle il prend la nationalité camerounaise, parce que vous le savez, depuis 2015, le Cameroun faisait face à certains à l'attaque de Boko Haram. Et il s'est avéré que certaines personnes ressortissant des pays voisins étaient détenteurs des cartes nationales d'identité camerounaise. Et l'État s'est trouvé fondé dans la sécurisation, parce qu'avec la mondialisation, les gens se meuvent, ils sortent. Et il y a des manipulations, que ce soit au niveau du registre l'état civil, du registre au niveau des actes de naissance, ainsi que de la carte nationale d'identité. Ils revenaient à l'État donc de protéger la nationalité camerounaise. Protéger la nationalité camerounaise supposait donner l'exclusivité aux Camerounais d'avoir le privilège d'être des Camerounais. Cette pièce essentielle, d'ailleurs, qui entre dans les fondements, d'ailleurs, des droits de l'homme. Donc, dit comme ça tout de go qu'on devrait donner la possibilité à ceux qui ont la multiple identité ou bien la double identité, pour des questions, ma foi, il dit l'État n'a pas garanti l'accès à l'emploi. J'aimerais qu'il me montre un seul pays au monde où tout le monde est travailleur parce que l'État leur a fourni du travail. Je dis c'est à la limite démentiel. Et j'aimerais que les Camerounais prennent. Qu'on évoque la démence sur un plateau. Sinon, vraiment, je ne vais pas vous permettre de continuer. Démentiel. Je ne peux pas vous permettre de me qualifier de dément. Ça, c'est une dérive langagière qui ne nomme pas ce plateau. Corrigez vos propos, je vous en prie. Vous en faites un peu de trop. Trouvez, si vous êtes à court de vocabulaire, trouvez des propos aussi civilisés et compréhensibles. Personne ne dément ici, si ce n'est vous-même. Ok, j'étais de disant que cette analyse était à la limite démentielle à partir du moment où on ouvrait la porte du Cameroun au tout venant. Ça, c'est d'un. Il est clair que la problématique de la carte nationale d'identité est une problématique qui interpelle tous les Camerounais, qui touche tous les Camerounais dans leur sensibilité. Tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'on a changé d'opérateur et que la DGSN avait fait une sortie en nous rassurant. Sauf qu'entre-temps, les mêmes problèmes ont perduré parce que, d'après les informations que nous avons eues, à bonne source, il y aurait un problème de pénurie d'approvisionnement en matériaux qui nous aiderait à produire les cartes nationales d'identité. Et davantage, je suis à la limite de nouveau impressionné par cet attachement au faux que nous révèle le MRC sur le plateau. Il dit à Bonas, on fabrique beaucoup de choses avec très peu de temps et qu'on pourrait confier un document aussi sensible que la carte, la nationalité camerounaise, la souveraineté camerounaise à ceux-là qui sont à mesure ne sont pas du de confier sur ce plateau. Ce n'est pas Willem qui a parlé de Bonas, ça dit. Non? Monsieur Duval, revoyez vos vous repères. Vous avez plusieurs modérateurs. Non? Ce n'est pas Willem qui a parlé de Bonamous, a dit. Vous êtes en manque de repères. Et j'ai peur que cette émission se termine mal avec vous.
Non, l'émission va pas mal se terminer. Voilà. Permettez, il faut qu'elle revoie sur son vocabulaire. Permettez qu'elle termine. Les propos de mon amour, ça ne sont pas du MRC sur ce plateau. Mungu, du moins jusque-là. Vous disiez tantôt... Voilà. Donc je crois qu'elle a manque de repères. À Bonas, on fabrique relativement presque tous les documents. Et j'aimerais rappeler... Et c'est moi qui l'ai dit. Vous avez vraiment compris, c'est moi qui l'ai dit. J'aimerais rappeler... C'est pas vous qui l'avez dit. Voilà, vous devez la ramener. Alors, je crois qu'elle a perdu des repères. Monsieur Mungu, l'agitation n'est pas non, si vous avez perdu les repères. C'est les propos de Bonamou, ça ne sont pas de moi. Vous n'allez pas me déconcerter. C'est pas de moi. Vous attendez que ce n'est pas de moi. Alors, Willy Mungu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à Fadimatou de terminer. Et après, évidemment, on va corriger. Je voulais juste rappeler que Bonas a été évoqué ici par Aristide Monod qui indiquait qu'il voulait mettre en relief le fait que les Camerounais sont capables. Il y a une. On dit génie et sont capables, n'est-ce pas, d'être mobilisés. Enfin, que ce génie, ces ressources peuvent être mobilisées pour régler un certain nombre de questions. Je crois que c'est ce que. Le MRCA dit sur ce plateau que les gens changent les âges parce qu'ils voudraient travailler. Il est normal que quelqu'un soit né. C'est un constat, madame. Quelqu'un soit né. Alors, Jojo, l'opinion, c'est un constat. Si plusieurs Camerounais aujourd'hui se sont retrouvés en position de double filiation, c'est parce que les diplômes qu'ils ont obtenus dans les délais n'ont pas pu avoir les opportunités. Allez faire votre propre enquête dans votre propre quartier. Ce n'est pas parce que ça sort de la bouche, mais c'est ça la suite de réalité. Très ça bien. Veut dire que l'État n'a pas eu la capacité de contenir la demande d'emploi d'une certaine génération dans ce pays. C'est ça qui motive la modification des filiations. C'est une vérité crue. Ok. Oui, mais je voulais juste rappeler qu'il est important de permettre à... Pour qu'elle soit dans le rail. Je vous en prie, je vous en prie. Elle n'est pas dans le rail. Je vous en prie, permettez à Natacha... Je ne peux pas vous permettre de continuer à vociférer sur ce plateau. Vous allez m'attaquer, je vais réagir automatiquement. Vous êtes trop je ne vous demanderai, je ne vous permettrai je pas. J'observe que vous êtes très permettez que je fasse une mise au point. Alors, Willy Mungu, je sais que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui est dit par... Natacha Fadimatou, mais le plus important, c'est de permettre effectivement qu'elle termine. Et tout à l'heure, vous aurez la possibilité de reprendre la parole. Et lorsque vous aurez votre tour de parole, vous pourrez lui répondre en choisissant vos vocabulaire approprié. La seule condition, n'est-ce pas, c'est que tout se passe dans le respect, la courtoisie. Ceci dit, vous permettez à Natacha Fadimatou de reprendre la parole et terminer son propos. Je vous en prie, madame, allez-y. C'est davantage important de le rappeler qu'il est important que les uns et les autres prennent de notes. Tout à l'heure, j'ai écouté des choses à la limite qui sortent de l'ordinaire. J'aurais pu me comporter comme c'est le cas avec votre panéliste. Sauf que je me dis, la politesse voudrait déjà qu'on respecte le temps de parole de l'autre. Alors, cela dit... Et lorsque je le dis, je disais qu'il est aberrant qu'un parti politique qui prétend accéder à la magistrature suprême dans ce pays et pour solution à la résolution d'un problème qui se veut ponctuel, parce qu'il faut le dire, du moins le branding, à la limite, l'ouverture de la nationalité camerounaise au tout venant. Qu'il y ait des problèmes, nous le comprenons, mais qu'il y ait des solutions hâtives à la limite démentielles, je dis non. Nous ne pouvons pas, nous, RDP, si nous estimons que la nationalité camerounaise est tellement chère que nous ne pouvons pas la brader au tout venant. Nous revenons également sur Bon, je préfère faire fi de monsieur des développements, de monsieur Monod, qui rentre fort naturellement dans ses approches des parapolitiques. Donc, pour le moment, nous estimons que moi, personnellement, en tant que parti politique, j'estime que il est dans sa liberté de dire tout ce qu'il est. S'il estime que l'État n'existe pas et qu'il fait partie de l'État, et cela implicitement explique que lui-même, il n'existerait pas. Bon, si c'est ça son analyse, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je reviens maintenant sur... Je prends une précision pour vous relancer, s'il vous plaît. Alors, vous avez critiqué l'approche du MRC sur la résolution de cette crise. Vous n'êtes pas d'accord avec le Dr Monod sur son analyse. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Monsieur Duval, des choses ont été dites. Il est de notre responsabilité d'éclairer les Camerounais. C'est ce que vous êtes en train de faire, je suis en train de le faire. Permettez-moi que j'évolue. Laissez-moi dire des bêtises, hein, je vous en prie. Comme les autres l'ont fait tout à l'heure. Vous ne les avez pas coupés, vous les avez laissés évoluer. Donc, j'étais de disance qu'il est aberrant de dire des choses qui ne sont pas vraies. L'État, dans sa politique
de la sécurisation de la nationalité camerounaise avait engagé en 2016 une opération d'identification et de la digitalisation des pièces officielles, entre autres la carte nationale d'identité, les cartes professionnelles, les actes de naissance avec le BICREP. Les actes de naissance précisément parce qu'ils se rendaient compte justement que plusieurs personnes n'étant pas des Camerounais, n'étant vraisemblablement pas des Camerounais, détenaient des actes de naissance du Cameroun et se faisaient établir des cartes nationales d'identité. Ils revenaient à l'État et vous remarquez aujourd'hui que la carte nationale d'identité a une puce qui permet d'avoir toutes les filiations à un seul clic. De la personne détentrice de cette pièce officielle. Quand nous disons qu'il est à la limite difficile d'établir les actes de naissance, je crois que nous pourrions encore dire qu'on doit sensibiliser les parents à la déclaration de naissance. Parce que la plupart des temps, lorsque les hôpitaux donnent des documents après l'accouchement, les parents ne sont pas, ouverts à aller faire le document qui est le tout premier document qui donne l'existence officielle à un enfant. Or, dans notre pays, en dehors des mairies, nous avons des centres d'état civil, des secrétaires d'état civil qui sont dans tous les villages, généralement, qui peuvent facilement établir. Donc, dit qu'il est très difficile d'obtenir l'acte de naissance, je dirais ce non. Il est encore, on peut dire que les gens ne sont pas sensibilisés et l'État peut faire, comme c'est le cas avec plusieurs associations sur le terrain, qui sensibilisent les parents à aller déclarer les naissances. Monsieur Kambian l'a dit, que lorsque vous n'avez pas votre carte nationale d'identité, vous avez un récépissé, vous ne pouvez pas faire des opérations bancaires. Moi, je suis par la force des choses, appelé à utiliser les documents officiels pour bénéficier peut-être que ce soit d'un crédit bancaire, que ce soit faire des opérations bancaires. Je peux vous dire, en juin, j'ai été servi dans une banque de la place avec mon récépissé, parce que moi, je détiens un récépissé. La seule chose que la banque a exigé de moi, c'était qu'elle soit valide. Donc, on ne peut pas se placer sur un plateau de télévision et dire que lorsque vous avez un récépissé en route, on vous fait sortir. Lorsque vous n'avez pas un récépissé valable, je peux comprendre que le policier peut vous interpeller et vous demander de faire proroger. Vous demandez pourquoi vous n'avez pas fait proroger votre carte. Mais si votre récépissé est prorogé, je ne vois pas pour quelle raison un policier qui est appelé à assurer la sécurité des hommes et des biens se permettrait de faire descendre un citoyen camerounais. Généralement, ça arrive quand le récépissé n'est pas prorogé. Et davantage, nous savons que on le dit fort à propos, lorsque vous voulez réclamer votre droit, vous devez faire votre devoir. Notre devoir en tant que citoyen, l'État qui vous délivre le récépissé ne peut pas vous exiger une carte nationale d'identité à partir du moment où lui-même n'a pas pris le temps de vous le fournir. Donc il est incongru de dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'avec un récépissé prorogé, on se retrouve interdit des opérations bancaires, on se retrouve interdit de déplacements. Là, je dis de manière stricto sensu que c'est faux. Lorsque cela est dit, je reviens également sur quelque chose qui a été dit par monsieur, il a dit, il n'aimerait pas que ça soit la goutte d'eau. L'affaire Fundikou soit la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il a évoqué le cas de la Tunisie. C'est vrai que certaines personnes fantasment généralement la Tunisie et dans leur optique, ils espèrent que quelqu'un d'autre va s'immoler comme le Tunisien pour faire renverser le régime. Mais il faut rappeler que le sieur Fundikou, si j'ai suivi votre intro, son épouse dit que son récépissé était illisible. Pas son épouse. L'officier de police qu'il a trouvé en poste et qui était chargé de proroger la validité de son récépissé. Bon, je crois que, sauf si vous avez recueilli l'information auprès de M. Fundikou, bon, j'ai cru entendre que son récépissé était illisible. Et par conséquent, il ne trouvait pas opportun de le proroger. Le trouver illisible et ne pas le proroger, je crois que c'est déjà pour la sécurité de ce monsieur-là. Parce que si vous avez une carte illisible, dites-vous, M. Duval, qu'il sera impossible de vous identifier, de vous reconnaître sur le document comme tel. Et d'aucuns diront que c'est le papier. Je crois que M. Edmond Kamgia a eu à utiliser le carton.
Parce que lorsque je fouillais les documents de feu maman, j'ai retrouvé un carton qui était sa carte nationale d'identité. Dit qu'un carton ne peut pas, ou bien un document qui est officiel, estampillé et tenu comme tel, ne peut pas être valide. Parce que c'est un papier, je dis, c'est pas aider les Camerounais. Que les Camerounais qui ont des soucis avec leur carte nationale d'identité, qui ont le récépissé, fassent l'effort de les avoir à jour, afin de ne pas subir les tracasseries. Okay. Et nous invitons maintenant les responsables de la DGSN de communiquer. Peut-être le véritable problème, c'est la communication. De communiquer davantage sur les blocages qui entravent l'établissement des cartes nationales d'identité. Il est bien vrai qu'au mois de février, ils ont dit que nous avons plus de 3 millions de Camerounais qui ont des doubles ou des multiples identités. Nous avons également des Camerounais qui ne se dérangent pas à sortir leur carte nationale déjà délivrée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, c'est la seule chose que nous pouvons, la responsabilité, la sécurisation et la production de la carte nationale d'identité relève du privilège ou bien de la responsabilité de l'État. Et l'État a démembré, a donné part de pouvoir à une direction qu'est la DGSN. Nous l'avions vu avec le passeport, c'était les mêmes tracasseries, mais ils ont pu trouver une solution où de manière diligente, on parvient à avoir des passeports. Si maintenant, au niveau de la DGSN, c'est ça ? DGSN, oui. DGSN, ils peuvent trouver du moins dans les délais raisonnables, des alternatives pour que nous puissions, les Camerounais puissent avoir leur carte. Nous pensons que c'est Irouane, mais je déconseillerais à tout Camerounais d'essayer de trouver dans la situation de Sindoukou ou Fundikou où ils vandalisent un service public sous le prétexte qu'il est en colère. Sa colère, c'est compréhensible, mais qu'il en vienne à vandaliser un service public, sauf qu'il se retrouve face maintenant à ses responsabilités, face à la justice, qui, je crois, pourra trouver dans quelle mesure lui accorder des circonstances atténuantes ou aggravantes. Cela relève du domaine de la justice. Il ne nous revient pas à nous de nous prononcer là-dessus, mais la DGSN doit suffisamment communiquer afin d'éclairer la lanterne des Camerounais. On va sortir ce sujet à Aristide Mono par une question simple. Dans la fin du propos de Natacha Fadimadou, est-ce que la question est celle de la communication de la DGSN sur les blocages? Il me semble que la préoccupation fondamentale des Camerounais, c'est d'obtenir leur carte nationale d'identité une fois que le dossier a été introduit. Duval, il faut dire que même au niveau de la DGSN, on reconnaît la difficulté à satisfaire les Camerounais. Donc, ce n'est pas à nos ocres de venir rappeler aux uns aux autres ce que la structure de l'État en charge de produire cette carte d'identité a déjà énoncé comme véritable cause de cette situation. Ce que j'aimerais davantage rappeler ici, c'est que il y a des problèmes qui vont au-delà des chapelles partisanes, des filiations partisanes. Lorsque, par exemple, l'on ne coule pas du côté de Etougébé, il n'y a pas cette discrimination dans la souffrance entre les partisans du MRC et ceux du RDPC. Il y a des problèmes sur lesquels on devrait, au regard de l'humanisme qui nous habite, au regard de ce penchant que nous avons pour l'être humain, de dire on fait table rase de nos petits calculs politiques ou petits calculs politiciens. La question de la carte nationale d'identité, si on s'en tient au ratio de la dernière élection, au ratio officiel, le président Paul Biya a gagné haut la main, donc forcément la majeure partie de la population camerounaise qui souffre de cette situation appartient au RDPC, forcément. Alors par conséquent, il serait beaucoup plus judicieux de défendre un temps ces RDPCistes, les « je ne fais pas moi la politique », ces gens qui chantent Paul Biya Oyé. On est obligé de les soutenir. Si on s'en tient au dernier chiffre, c'est lui qui tient pratiquement tout l'électorat camerounais à la Tchétchène. Donc, il y a certains débats ou certaines questions qui doivent nous amener à s'élever, aller au-delà de ces petites identifications partisanes. Lorsqu'on a évoqué
le cas de Bonamoussa Di, ce n'était pas pour envoyer l'État faire établir les cartes à la sauvette. On disait tout simplement qu'au lieu de nous amener des gars qui ne produisent pas le résultat escompté, malgré le changement de dénomination et tout, on peut utiliser notre ressource dans le cadre de la structuration étatique. L'État met sur pied une structure, la DGSN met sur pied une structure et recrute ces gars qui ont une expertise avérée du côté de Bonas pour venir aider les Camerounais à obtenir leur titre d'identité. On a dit qu'on allait informatiser les choses, mais lorsque vous regardez le récépissé qu'on vous remet, d'abord la qualité n'est pas bonne. Pour un document qui doit durer éternellement, comme c'est désormais le cas, on doit quand même faire des efforts. Ce n'est pas le papier qui manque. Nous avons le bois, on peut faire le bois. Je pense qu'on fait le papier avec du bois. On n'a pas un problème de bois. On n'a pas un problème d'ordinateur. Nous avons gaspillé comme ça 75 milliards de francs CFA dans une histoire d'ordinateur HEV, PB, et ainsi de suite. Ordinateur décédé avant leur naissance. Donc, nous avons tous ces moyens-là. Mais pourquoi ça bloque? Ça bloque tout simplement parce qu'il y a des individus qui se sucrent derrière l'affaire. Les entreprises qui arrivent, il faut déjà savoir à qui appartiennent ces entreprises, comment est-ce qu'on les a recrutées, qu'est-ce qu'on a gagné derrière. Maintenant, ceux qui ont la charge de pouvoir nous satisfaire se trouvent en situation aussi d'organisation d'une petite industrie corruptive. C'est-à-dire que ça ne serait pas vraiment une bonne nouvelle pour la police que cette histoire soit facilitée, parce que ça ne permettra plus de capter les 1000 francs au niveau des postes de contrôle. On nous dira, oui, les Camerounais ont fauté. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? J'avais posé cette question au sujet de la crise anglophone. Si tous les anglophones décident de devenir ambazonniers, on fait comment? On les écrase tous, on les tue. À un moment, l'État doit faire preuve de beaucoup de réalisme. Un Camerounais qui a une double identité, qui a fait des doubles identifications, un Camerounais qui a modifié son âge, au final, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que le fait de l'eau sévrée de ce titre d'identité résout le problème ou c'est la réponse de l'État? Non. Il y a, je pense, des dispositions qui sont prévues. Si quelqu'un est reconnu de situation de fraude, on lit le texte, on dit voilà l'amende que tu dois payer et que ça soit officiel. Voilà la peine que tu dois purger pourvu que cette personne-là ait finalement sa carte nationale d'identité. Sauf à nous faire croire qu'une fois que vous avez fauté dans cette histoire, c'est à vie, vous n'aurez plus de carte nationale. C'est en fait là où se trouve le problème. Nous ne sommes pas en train de cautionner la démarche mafieuse ou alors frauduleuse des Camerounais. Ce qu'on dit, qu'est-ce que l'État fait finalement? Parce qu'il sait qu'au demeurant, chaque Camerounais, chaque citoyen doit avoir sa carte nationale d'identité. Madame Fatima Touré dit, c'est désormais pour sécuriser. Non, je pense que la sécurité nationale communique assez sur cette affaire. Communique assez et tout le monde sait que c'est un problème de mécanisme de production et c'est un problème de corruption. Elle a parlé de 2016. Avant 2016, moi j'ai eu des problèmes d'obtention de ce titre. Avant 2016, j'ai dû envoyer une requête en 2015 à la DGSN et c'est en 2018 qu'on m'a appelé pour un interrogatoire quelque part là-bas à l'école de police. Et c'est après ça que j'ai obtenu ma carte. Donc le problème n'a rien à voir avec Boko Haram parce que c'est un problème qui est vieux. Et je pense que ça fait partie de l'archaïsme en fait qui a toujours affecté l'État du Cameroun. Un État qui veut toujours faire les choses à la sauvette. Pourtant, nous avons l'expertise, nous avons des moyens d'acquérir des machines sophistiquées pour produire rapidement. Lorsqu'on parle d'informatisation. Informatisation, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de te donner un rendez-vous. Ça veut dire du moment où on introduit ton nom, on sait déjà ce qui s'est passé. On vous dit, madame, vous avez une double identité, vous avez fait une double identification, vous avez une double identité, vous avez modifié. C'est ça l'informatisation. L'informatisation, ce n'est pas porter les données dans une clé, faire le voyage, peut-être que Tibati Yaoundé pour venir mettre ça dans un ordinateur ici et vous dire que finalement nous avons un système informatisé. Un système informatisé suppose que vous avez l'Internet qui coule à flot, également des machines qui permettent de relayer l'information au niveau du système central de sorte que le Cameroun n'a pas besoin d'attendre pratiquement 2 mois pour savoir qu'il a un problème de double identification. Parfois on ne communique même pas. On vous donne un numéro, on vous dit qu'il faut appeler ce numéro vert, ça permet d'obtenir. Mais vous avez plutôt au bout du fil des jeunes dames qui ricanent
qui sont en train de raconter leur chose du côté de la DGSN et ça fatigue les Camerounais. Et moi, je me dis, nous sommes vraiment un peuple béni, tel que Edmond Kamga l'a démontré tout à l'heure en évoquant le cas tunisien. Je pense que le Cameroun regorge assez d'éléments d'embrasement qui peuvent être activés à n'importe quel moment. Parce que ce problème, ce n'est pas un problème du MRC. Je dis bien, ce n'est pas un problème du MRC. C'est un problème de tous les Camerounais, y compris ceux qui sont même fonctionnaires. Donc, nous, peut-être au village, on peut dire, ah, on ne part même pas à Yaoundé, on ne part pas en Europe. Donc, même s'il n'y a pas de carte, on ne cherche même pas l'emploi. On est dans nos champs, personne ne viendra nous demander la carte là-bas. Mais pour ceux qui sont dans les en haut d'en haut, ceux qui sont là à l'intérieur, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Eux qui ne peuvent pas rester sans toutefois aller se faire soigner en Europe, il leur faut forcément cette carte-là. Donc, lorsqu'on parle de certains problèmes, il me semble qu'on doit faire table rase de nos appétits politiciens, de nos petits calculs et dire, mettons le Camerounais au centre. C'est lui-là qui n'arrive pas à faire un concours. C'est lui-là qui vient craîner ici à Yaoundé, qui quitte loin parce qu'on lui a fait comprendre qu'il faut venir déposer une requête ici à Yaoundé. Il faut avoir pitié des Camerounais à un moment donné, même si eux-mêmes sont en fait des grands malades qui s'ignorent, c'est-à-dire des gens qui ont décidé d'être habités définitivement par le syndrome de Stockholm. Edmond Kamga, pour sortir de ce sujet, il y a un journal Cameroun Magazine qui a dit que Fondi Koudaouda apparaît aujourd'hui comme le symbole de la lutte du peuple pour la délivrance diligente de la carte nationale d'identité. La question, je veux dire que le scénario dans lequel Fondi Koudaouda aujourd'hui est, on va dire, le principal acteur, reflète en réalité la difficulté qui est celle de la plupart des Camerounais aujourd'hui à obtenir cette carte nationale d'identité. Et ça dure depuis longtemps. Aujourd'hui, on a le cas Fondi Koudaouda. Il y a beaucoup d'autres Fondi Koudaouda entre griffes, partout ailleurs sur nos territoires, qui ont des récépissés qui durent ad vitam aeternam, qu'on proroge tous les trois mois, ou je sais pas. Et au finish, ils n'ont toujours pas. Fondi Koudaouda, lui, depuis trois ans, il attend sa carte nationale d'identité. Il y a d'autres qui sont pratiquement dans la même situation. Il a des difficultés à se mouvoir. Il dit qu'il avait établi sa carte nationale d'identité. Il l'a fait établir à Fumbot. Il réside à Douala. Il oblige chaque fois d'aller sur Fumbot, peut-être parce qu'à Douala, on lui a dit, c'est là-bas que tu as fait établir. Et c'est n'est que là-bas qu'on peut faire la prorogation. Il a une femme qui est enceinte, un enfant qui va naître. Il a des préoccupations. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que cette affaire soit effectivement réglée? Parce qu'il y a beaucoup d'autres Camerounais qui sont dans cette situation. Est-ce que les assurances données par les pouvoirs publics garantissent que demain sera meilleur? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à Madame Fadimatou, Natacha Mimché Bengono, qu'elle tient des propos parfois démesurés, parfois, j'allais dire, imprévus, extraordinaires, par rapport à la réalité sur le terrain. Je me demande parfois si elle vit au Cameroun comme nous. Je ne sais pas si vous, vivez si, au Cameroun les réalités que nous vivons. Parce que si vous viviez vraiment à Foumban, comme vous dites, vous auriez su ce qui arrive à M. Fondi Koudaouda à Fumbot. À moins que vous ayez, madame, des passe-droits, vous bénéficiez des passe-droits par votre position au sein du RDPC et auprès des pontes du régime, pour n'avoir aucun problème. Parce que ce qui m'a le plus étonné sur ce plateau, c'est que vous avez dit que tout ce que je dis est faux. Mais madame, c'est osé. Vous prétendez que les faits que je déroule sont faux. Les faits que j'ai vécu, que je vis chaque semaine, quand je fais le trajet Douala, Yaoundé, Yaoundé, Douala, il y a un poste de police où des gens descendent, on les bloque parce qu'ils n'ont pas la carte nationale d'identité. Parce qu'ils ont des récépissés, soit expirés, soit en cours de validité. Mais même à ceux dont les documents sont en cours de validité, on ne leur permet pas de remonter. On dit que ce n'est pas la carte nationale d'identité. Vous prétendez que c'est faux? Ce que moi j'ai vu en direct, madame, ne le dites plus. Dites ce que vous avez vu et vérifiez. Ne prétendez jamais, sans vérification, que ce que votre confrère, ou j'allais dire le copanéliste, ou tout Camerounais a vécu est faux. C'est justement ce genre de prétention, ce genre d'arrogance qui fait croire que dans ce pays, il y a, comme dit Aristide Moreau, des Camerounais d'en haut en haut et des Camerounais en bas en bas. Ceux d'en haut en haut se fichent pas mal, méprisent ceux d'en bas.
et ne veulent même pas croire que ce que les doléances projetées par ceux d'en bas sont vraies. Ils prétendent que non, ça ne peut même pas exister, ce n'est pas vrai. C'est ce que vous faites sur ce plateau, madame. Et c'est grave. Changez votre façon d'argumenter, changez votre façon de réagir face aux problèmes qui sont posés. Moi, je parle ici en tant que journaliste parce que nous avons ce qu'on appelle la... Quand vous avez une information, vous allez sur le terrain, vous vérifiez d'abord. Moi, je dis ce que j'ai vu et entendu, ce que j'ai vécu personnellement. Vous prétendez que c'est faux. Vérifiez d'abord, madame. Ensuite, peut-être qu'on se reverra ici, vous allez me dire que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Je voudrais également dire ici que il n'est pas bon que sur un plateau de télévision, la contradiction devient un champ de bataille. Il n'est pas bon. Restons courtois. J'ai vu l'échange tout à l'heure avec M. Willy Mengue. C'est la première fois, je dois le dire, que je vois M. Willy Mengue sorti de ses gants. J'ai dit c'est la première fois depuis qu'il est sur ce plateau. Et je comprends. Je comprends qu'il ne partage pas la manière avec laquelle vous avez réagi lorsqu'il a tenu certains propos. Vous avez même prétendu qu'il a dit des choses qu'il n'a jamais dites sur ce plateau. Nous sommes tous témoins, madame. Je vais arriver rapidement à la question qui m'a été posée. Non sans dire, madame, que nous sommes tous citoyens d'un même pays. Les questions de citoyenneté concernent tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Quand effectivement les gens se plaignent qu'ils n'ont pas d'eau et d'électricité dans les quartiers et les villes de Douala, de Yaoundé et d'autres localités du pays, ce sont des faits, madame. Vous n'allez pas dire ici que, par exemple, quand les gens se plaignent qu'ils n'ont pas de l'électricité, ils mentent, que c'est faux. Parce que je sors de Douala, madame. Il y a des quartiers, y compris celui dans lequel je vis, où il n'y a pas d'eau depuis plusieurs semaines. Malgré l'arrivée d'un nouveau directeur général de Kamwata, malgré les promesses qui ont été faites pour régulariser la situation, l'eau ne coule pas de manière régulière à Douala. L'eau ne coule pas de manière régulière à Yaoundé. Il y a encore des problèmes. Le dire n'est pas manquer de respect à qui que ce soit, à quelques institutions que ce soit. C'est dire les faits, c'est de dire la vérité. Pour qu'on trouve rapidement des solutions. Ne politisons pas les questions de société. Ne politisons pas les questions de citoyenneté. Parce que ce sont des questions globales qui nous concernent tous et qui ont besoin de solutions et non d'entourloupes de politique d'autruche. Je tenais à le dire, M. Fangoua. Pour cette précision, Edmond Kangia, Willy Mingue, je voudrais qu'on avance dans les débats avec un autre thème en rapport avec votre formation politique. Le président national du MRC, Maurice Kamto, a indiqué au cours du meeting de Kansamba que cette formation politique participera aux élections générales de 2025. Mais depuis lors, c'est un sujet qui fait polémique. Beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui a changé entre 2020, où le MRC avait annoncé le boycott des élections, et aujourd'hui, 2022, lorsque le président national annonce que le MRC participera aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi le MRC décide de partir aux élections en 2025? Bon, il serait mal perçu pour ceux qui voudraient alimenter la polémique autour de la décision concertée prise par le mouvement pour l'ensemble du Cameroun. Décision qui concerne la participation effective aux consultations générales de 2025 ou avant, c'est-à-dire les municipalités et les législatives en février 2025 ou avant, et puis maintenant les présidentielles en octobre 2025 ou avant. Ce n'est pas l'objet d'une polémique. La décision a été prise de manière concertée. Alors vous posez la question, c'est celle que certains Camerounais, certains, pas tous, posent. Qu'est-ce qui a changé entre 2019, année d'annonce de boycott aux élections municipales et législatives par le MRC, et les échéances à venir,
au regard des éléments que le MRC a évoqués en 2019 pour boycotter, c'est-à-dire notamment la guerre dans le nord et le sud-ouest, la révision consensuelle du système ou du processus électoral et d'autres problèmes de gouvernance ici et là, véritablement, sur le fond, rien n'a changé. Rien n'a changé, mais la position du MRC en 2019 était un mode d'expression. Vous savez que le boycott est un mode d'expression en politique. Quand une formation politique décide de boycotter, c'est une façon pour cette formation politique d'exprimer sa réserve, de dénoncer un fait, de dénoncer une préoccupation qu'elle ne trouve pas normale. Le boycott de 2019 aux élections générales concernant le MRC était un mode d'expression, une contestation, une dénonciation de cette guerre qui meuble le quotidien des Camerounais depuis 2019 ou depuis 2016 pour certains, et de cette nécessité de réviser le processus électoral afin de ne plus chuter aux crises post-électorales. Un bien qui est commun, non seulement pour tous les acteurs politiques, mais pour tous les Camerounais. Rien n'ayant changé, le MRC a jugé normal de ne pas rester dans les enjeux de 2025 ou avant, dans la posture du boycott. Sauf que son message avait déjà été passé. Le MRC a payé d'un tribut, le MRC a risqué. Le MRC s'est sacrifié en boycottant ces élections-là. Et chacun aujourd'hui peut jauger du prix que le MRC a dû payer pour ce boycott. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous allons aux élections en 2025, les enjeux de 2025, entre autres, sont des enjeux énormes pour un tournant politique dans ce pays. Il faut donner donc la possibilité à ceux qui ont cru dans nos rangs que le MRC ne milite pas pour les élections, la possibilité donc de rattraper ce retard et de retrouver le chemin des élections à 2025 ou avant. C'est un tournant politique décisif pour l'histoire politique du Cameroun. Et nous espérons, parce que le MRC n'a jamais tourné le dos au motif qui reste vivant jusqu'à aujourd'hui, les motifs qui l'ont contraint à boycotter, nous continuons à exiger à ce que le régime en cours, au nom de l'humanité, au nom de la cohésion sociale et nationale, permette à ce que la crise dans les deux régions puisse être gelée, soldée, afin que la vie normale puisse retrouver ces 13 départements meurtris aujourd'hui. Le MRC, en concertation avec d'autres formations politiques, au moins 6, continue à exiger du régime la nécessité de la révision du consensus électoral. Nous maintenons la pédale jusqu'à ce niveau. Et disons à tous les Camerounais qu'en 2025 ou avant, le MRC sera bel et bien présent aux consultations, aux élections générales, municipalités et législatives. Donc c'est le moment pour eux, dès le 2 janvier, autant pour moi, 2023, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que la grande campagne des Camerounais commence le 2 janvier 2023. Il faut s'inscrire pour un vote révolution, un vote sanction dans les urnes, dans la paix, pour renverser un régime essoufflé qui ne parvient pas à contenir les crises que lui-même a créées et entretenues. Natacha Fadjimatou Bengonon, est-ce que vous comprenez cette polémique autour de l'annonce faite par le MRC de participer aux élections de 2025? Comprendre la polémique, j'entrerai par une boutade pour rappeler aux téléspectateurs ou bien à ceux qui nous écoutent que les inégalités sont inhérentes à la société. Donc parler des Camerounais d'en bas et d'en haut, c'est une lapalissade. Et si j'avais été de la classe d'en haut, ça aurait été un privilège. Peut-être ne serais-je pas en train de parler de récépissé. Sauf que tout ce que j'ai évoqué comme Camerounaise qui appelait à s'émouvoir, que ce soit à Douala, où j'ai été une fois sorti du cas parce que ma carte, mon récépissé n'était pas prorogé. J'ai été sorti du cas parce que cette fois-là, mon récépissé n'était pas prorogé. À partir du moment où je l'ai prorogé, je voyage tranquillement et j'ai fait mes opérations bancaires tranquillement. Le dit, ce n'est pas dénué des on-dit des uns et des autres. Moi, je dis ce que nous vivons au quotidien et des Camerounais comme moi le vivent. Ils sont pleins de fonctionnaires comme moi qui ont seulement le récépissé.
nous exhortons la DGSN à être diligente, à trouver des moyens appropriés pour sécuriser, pour du moins délivrer les cartes nationales d'identité aux Camerounais. Mais pour le moins, le récépissé reste valide comme pièce officielle d'identification. Et l'exemple de corruption dont il a parlé, c'est une réalité aussi, non? Sauf si vous estimez. Monsieur que... Duval, lorsque je reviendrai sur un plateau, je vous trouverai comme contradicteur. Je pourrai répondre. Vous n'avez pas besoin de me rappeler ce que les autres ont dit. Non, parce je que vous avez indiqué tout à l'heure je vous trouverai, que c'est faux. Je vous trouverai. Est-ce que il y a la question de la corruption qu'il a évoquée également et que beaucoup soutiennent. Qui a des actes de corruption? Oui, avec des gens qui ont exécuté cette carte nationale d'identité. Si Monsieur Edmond Kamdia estime qu'il a eu à corrompre pour passer, moi je ne l'ai jamais fait. Okay. Donc si lui le fait. Allons voir dans le corrupteur et le corrompu. Et je voulais juste préciser, avant de vous laisser continuer, s'il vous plaît, sur cette question, puisque nous avons également un devoir d'information, que la délégation gérera la Sûreté nationale, reconnaissant effectivement qu'il peut avoir des actes de corruption, a indiqué qu'il y a un numéro qui a été mis à la disposition du public, c'est le numéro 1500, indiquant que s'il y a un Camerounais qui a sa pièce d'identité conforme et qui a quelques soucis avec des policiers ou des agents de la police, eh bien, il faut appeler ce numéro pour se plaindre. Donc, c'était pour ajouter de la braise à votre pipe. Maintenant, sur la question du MRC, je vous en prie. D'accord. Je dirais que c'est un non-événement, un non-lieu, parce que le parti politique a pour essence fondamentale, sauf si c'est une église ou une ONG, la participation aux élections, la conquête du pouvoir et la conservation du pouvoir. Nous, à RDPC, lorsqu'un parti pense que aller aux élections, c'est quelque chose d'extraordinaire, nous sommes plutôt surpris parce que, il faut le dire, il y en a qui ont brillé par une incohérence ou bien un égocentrisme avéré. Parce que vous vous souvenez, les problèmes évoqués par le président de Kamto Maurice du MRC, que ce soit la crise anglophone, que ce soit le code électoral, c'est ces mêmes réalités existaient en 2018 lorsqu'il s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Alors, votre question à savoir qu'est-ce qui a changé, je dirais rien du tout, mais sauf qu'aujourd'hui, les élections de 2020 étant derrière nous, ayant empêché aux Camerounais qui avaient pour ambition légitime de postuler ou bien d'essayer de trouver dans des institutions camerounaises afin de porter la voix des populations, ayant coupé l'herbe sous le pied, il revient aujourd'hui, leur dit que nous serons candidats en 2025. Figurez-vous que 2025, c'est la date fétiche pour, si nous en tenons au calendrier officiel, l'organisation des élections présidentielles au Cameroun. Alors, en ce moment, à partir du moment où ces partis politiques n'a pas de représentants, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien dans les conseils municipaux, s'est-il tout de même, a-t-il quand même informé ces militants qu'il peut arriver que le chef de l'État qui a la légitimité du peuple camerounais et qui a cette possibilité de proroger les mandats des élus, et qu'il peut le faire et qu'il lui sera demandé de réunir 300 signatures, à savoir 30 par région. J'espère qu'il a dit à ses militants et que le plus important pour lui, c'est d'être candidat en 2025. Là, je me pose cette question. Et de même, j'aimerais interpeller ces gens-là, qui ne soient pas surpris. Parce qu'il y en a, ce qui est intéressant déjà aussi, c'est qu'il a des gens qui sont comme... des suiveurs, quand il dit quelque chose ce matin, on applaudit, il vient dire le contraire, le soir, on applaudit. Si, pour une fois, il estime qu'il va sortir de l'incohérence pour être cohérent avec la logique d'un parti politique, c'est une bonne chose. Le RDPC est suffisamment mieux implanté, il n'attend pas mieux comme challenger sur le plan national. Il y a 180 sièges à l'Assemblée nationale, il y a 360 communes. J'espère que ce parti aura la capacité pour la bonne marche de la démocratie, pour une fois que ça ne va pas se passer dans la rue, à chercher à entrer dans les institutions. Pour preuve, vous avez oublié de dire que Elie Kamsé s'est réuni avec les partis représentés à l'Assemblée nationale pour discuter exactement du code électoral. Donc celui qui se retrouve dans la cour en train de crier, vous comprenez que c'est pas pris en compte. Astine Monod, sur la question de la participation du MRC aux prochaines élections
général en 2025, il y a un journal, en tout cas un média, Naja TV, qui a parlé d'une sorte de rétropédalage. Cela rime un tout petit peu avec d'autres arguments qui ont souvent été entendus, à savoir que le parti est incohérent, que le président national de cette formation politique est incohérent. D'ailleurs, on a encore entendu cela sur ce plateau. Et le président Maurice Kamto, le président national de cette formation politique, au cours du meeting de Nkonsamba, a indiqué que le parti ira aux élections pour les gagner. Et il a ajouté que, pour répondre un peu à ses préoccupations, que un parti politique comme le MRC fait de la réelle politique, c'est-à-dire adapte sa tactique en fonction du terrain. Est-ce que cette réponse du président national du MRC correspond ou bien, je veux dire, est-ce que cette réaction répond aux préoccupations qui sont émises par les uns et les autres au sujet de cette participation annoncée aux élections de 2025? Alors, Duval, nous allons tous reconnaître qu'il s'agit d'une incohérence, mais une incohérence stratégique et tactique. Il y a recro-pédalage, mais un recro-pédalage stratégique et tactique. Et c'est ça, en fait, le jeu politique. Et surtout dans une situation où il n'y a pas une certaine lisibilité dans la vie politique du politique dominant. C'est-à-dire qu'il vous prend de court. Il faut également savoir le prendre de court. Il faut rappeler que la décision prise par le mouvement pour la renaissance du Cameroun de ne pas participer à l'élection 2020, bien que stratégique et tactique aussi à l'époque, a fait quand même beaucoup de bonheur chez beaucoup. Il y a un bon nombre d'élus, députés, conseillers municipaux qui ont profité justement de l'absence du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour grignoter, se servir dans l'espace vacant laissé par ce parti qui avait avait le vent en poupe à l'époque, qui continue de consolider son statut de principale force d'opposition au Cameroun. Parce que, comme j'aime à le rappeler, lorsque Kamto tousse, c'est tout le régime qui éternue au point d'organiser des éditions spéciales sur la chaîne nationale à minuit. Donc, pour nous autres qui sommes observateurs de la scène politique et très souciés de l'équilibre dans le rapport de force politique, nous ne pouvons qu'apprécier ce retour du mouvement pour la renaissance du Cameroun parce que cela nous permettra, dans un premier temps, d'éliminer un bon nombre d'opportunistes qui ont profité du recret du MRC pour se faire une place au soleil et bien dealer avec l'ogre dominant en faisant croire à cet ogre que le Cameroun est dans un pluralisme, que ce soit au niveau des exécutifs communaux, au niveau de l'Assemblée nationale. Et je comprends aujourd'hui pourquoi, à un moment donné, des gens sortent de leur case pour essayer de critiquer cette posture. Ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment le MRC. Le MRC ne participe pas, ils pleurent. Le MRC participe, ils pleurent toujours. Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Donc, en fait, ce sont des pleurs hypocrites parce que ça a toujours fait des affaires des uns et des autres. Et cette fois-ci, il me semble que c'est important pour ce parti de pouvoir se repositionner, d'éliminer donc ces opportunistes et de capter également les poches de pouvoir. Les poches de pouvoir que sont ces différentes structures périphériques. C'est-à-dire qu'à défaut d'obtenir la position centrale, on peut se satisfaire de la position subalterne pour pouvoir établir un certain plan qui va permettre de couvrir le territoire et le moment venu donc atteindre le centre. Et cela va également permettre au parti d'avoir des éléments d'échange pour capter davantage ceux-là qui viennent pour apporter leur plus dans le changement. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout, la politique parfois apparaît comme une action, une activité personnelle. Et le parti ne perd absolument rien à avoir dans ses rangs
des opportunistes, c'est-à-dire que des gens qui arrivent parce qu'ils veulent des postes. Maintenant, il faut savoir aussi tirer profit de ces opportunistes pour pouvoir asseoir sa notoriété. Donc, pour être un peu plus terre à terre, d'abord, le MRC va offrir aux Camerounais qu'il attendait en 2020 les candidats qu'ils espéraient. Deuxième chose, le MRC va récupérer des mairies. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence. Le MRC va récupérer des mairies considérables. Le MRC va récupérer des postes de députés considérables qui vont permettre à ce parti de parler avec notoriété aussi, avec autorité dans certaines institutions, de sorte que si un jour nous avons par exemple un Constant Kenyé, député ou conseiller municipal, si un policier arrive à le maltraiter, la communauté internationale ne verra plus le Constant Kenyé, mais il verra désormais le conseiller municipal ou le député. Vous avez vu des gens qui sont sortis du néant à l'occasion de ces élections 2020, qui parlent fort au Cameroun du simple fait de leur présence, de leur nouveau statut au sein des institutions. Donc ça va permettre au MRC de rester, d'avoir l'étoffe institutionnelle pour mener à bien ses combats sans toutefois sortir de sa logique non institutionnelle. Ça veut dire qu'il peut alterner à la fois des démarches institutionnelles et des démarches non institutionnelles. Le député Nietzsche alterne ces démarches-là dans son déploiement en tant qu'élu. Donc, il n'y a pas une certaine incompatibilité entre la présence dans le jeu institutionnel et la présence dans le jeu non institutionnel. Et troisième élément, le MRC aura de quoi attirer davantage les uns et les autres parce qu'il y a certains qui nourrissent des ambitions personnelles. Et je pense qu'en 2020, cela a été mal digéré. Et cette fois-ci, si le parti arrive à tenir le pari de sa parole aujourd'hui, le MRC aura de quoi attirer davantage des foules parce qu'il y a des bastions qui sont quasi acquises aujourd'hui au mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je ne vais pas parler d'un bon nombre d'arrondissements, de Douala, qui, du point de vue de l'analyse du politiste, sont automatiquement, ça veut dire, à la moindre élection, le MRC l'emporte. Donc, il ne faut pas que le parti rate cette occasion et surtout que les enjeux sont assez élevés. Tout le monde sait bel et bien qu'en 2025 ou avant 2025, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer et les Camerounais seront de plus en plus interpellés. Il va falloir aux Camerounais d'une élite qui est capable, à un moment donné, de pouvoir aller au-delà de ses propres intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du MRC, nous encourageons le MRC. Nous faisons des efforts de ne pas parler de certaines choses qui peuvent nuire à ce parti. C'est tout simplement parce qu'on se dit, en situation de démocratie assez dure, assez autoritaire, il est important pour tous les acteurs sociaux, les acteurs parapolitiques, d'apporter la caution ou alors de pencher vers celui-là qui peut rééquilibrer les choses. Et moi, j'ai confiance, je crois au professeur Maurice Kamto, je crois au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, comme aux autres partis politiques qui ont toujours tenu, qui ont toujours brillé par une certaine rigueur, comme le CPP, comme des personnalités comme Kawala, de pouvoir s'associer au mouvement pour la Renaissance du Cameroun pour rééquilibrer, parce que c'est ça la force de la démocratie. Lorsque vous êtes dans une situation où quelqu'un gère de manière impériale, clone comme un pape, clone comme un empereur, forcément le jeu démocratique est biaisé. Et pour des acteurs qui sont soucieux de la démocratie et donc de l'équilibre entre les différents acteurs, il est important aujourd'hui de dire au MRC, de dire au professeur Maurice Kamto, il faut qu'il tienne jusqu'au bout et que ceux qui veulent souscrire à l'offre de ce parti puissent commencer à se préparer parce qu'il y aura des embuscades, il y aura des alliances de l'opposition de luxe et de l'opposition de rue pour empêcher. Je ne vais pas trahir un secret pour ce qui est de l'élection 2020 où en octobre, on a missionné deux leaders, deux grosses têtes de l'opposition camerounaise, l'opposition de luxe et l'opposition de rue, d'aller commencer à faire un travail de reconnaissance du côté de Douala pour barrer la voie au mouvement pour la Renaissance du Cameroun à leur intimant l'ordre de procéder par des coalitions pour ne pas faire basculer Douala. Donc je pense que pour moi, pour quelqu'un qui est soucieux de l'équilibre dans le jeu, j'aimerais voir le jeu tendu au Cameroun, Barça, Real de Madrid. J'aimerais voir ce jeu RDPC, MRC au Cameroun. Et donc, en cas, nous sommes en train d'analyser la polémique hein, qui a
qu'a suscité cette annonce faite par le MRC de participer aux élections de 2025. Aristide Monod le disait, en d'autres mots, il y a des adversaires du MRC qui, en 2020, s'étaient indignés de ce que le parti avait trahi ses militants en refusant d'aller aux élections. On a le sentiment que ce sont ces mêmes adversaires aujourd'hui qui s'indignent de ce que le MRC a décidé de participer aux élections. Alors, comment on peut comprendre cela? Est-ce que cela ne trahit pas une sorte d'appréhension de la part de ses adversaires politiques de voir effectivement le MRC dans le jeu démocratique, dans le jeu institutionnel? Oui, Duval Fangoua, je vais dire un dernier mot sur le sujet précédent, mais très rapide avant de reprendre votre question. Je voudrais simplement appeler les autorités compétentes de la police, peut-être des renseignements aussi, qu'il nous a été rapporté certaines informations selon lesquelles, dans des villes frontalières du Cameroun, certains commissariats continueraient encore à délivrer des récépissés et des cartes nationales d'identité à des non-Camerounais, malgré tous les efforts de sécurisation qui ont été faits depuis le changement d'opérateur, depuis l'ancien système qui avait découvert la délivrance de nombreuses cartes d'identité nationale frauduleuses dans certaines régions du pays. Et je leur dis, nous a été rapporté que ces nombreuses cartes d'identité frauduleuses continuent, notamment dans les villes frontalières du Cameroun, les commissariats des villes frontalières du Cameroun, notamment dans l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Je les invite, ces autorités compétentes, à mener une enquête là-dessus. Pour répondre à votre question, j'ai dit que c'est une fausse polémique. C'est une fausse polémique qui s'adresse, que certains Camerounais sont en train d'adresser au MRC. Le MRC n'est pas le premier parti politique camerounais qui a boycotté des élections. Avant l'indépendance et après le retour au multipartisme, plusieurs formations politiques ont boycotté des élections. Avant l'indépendance, l'Union des populations au Cameroun a boycotté des élections lorsqu'elle s'est rendue compte que les conditions d'élections n'étaient pas sincères et démocratiques, n'est pas aux élections. Après le retour au multipartisme, c'est cet aspect qui nous intéresse, puisque nous sommes au fond sur les questions de l'après-90. Après la loi sur les partis politiques du 19 décembre 1990, qui a permis, n'est-ce pas, à plusieurs formations politiques d'obtenir la légalisation de leurs partis politiques, nous avons plus de 300 formations politiques aujourd'hui, mais ce ne sont pas ces 300 formations politiques qui sont actives sur le terrain. Il y a moins d'une dizaine de formations politiques qui sont vraiment sur le terrain, qui agissent, qui sont connues, et moins de 5 qui sont véritablement actives dans la vie politique camerounaise. Et parmi ces formations politiques qui, je dirais, sont au cœur de l'agenda politique au Cameroun, il y a le MRC. Maintenant, je commencerai d'abord par citer les formations politiques après 90 qui ont boycotté les élections. Il y a eu les premières élections pluralistes, législatives pluralistes au Cameroun, le 1er mars 1992, qui a vu le boycott du SDF, le boycott de l'UDC. Ce qui a permis à l'Assemblée nationale d'avoir au Parlement des formations politiques de l'opposition telles que l'UNDP avait 68 députés, l'UPC de Augustin Frédéric Kodok, 18 députés, le MDR de Dakolé Daïssala, 6 députés, à côté du RDPC qui avait la minorité. Les trois formations politiques de l'opposition, MDR, UPC, UNDP, avaient ensemble 92 sièges. Le RDPC était à 88 sièges. Ce qui s'est passé, voilà une occasion historique que le Cameroun a connue et qui aurait pu permettre à l'opposition et au Cameroun de manière générale à avoir sa première cohabitation. C'est-à-dire, Paul Biya était au pouvoir, mais l'opposition avait gagné officiellement les élections. Et on pouvait donc avoir un gouvernement dirigé par un premier ministre de l'opposition. Mais que s'est-il passé? Le MDR avait 6 députés de Dakolé Daïssala, s'est allié avec le RDPC, permettant ainsi à la coalition MDR-RDPC d'avoir la majorité au Parlement. Et du coup, l'UNDP avait ses 68 députés, l'UPC avait ses 18 députés, n'ont pas pu avoir, avec le MDR, les 92 députés qu'ils auraient pu avoir et contrôler le Parlement.
Je rappelle, l'UDC avait boycotté les élections, le SIF avait boycotté les élections. Deuxième temps fort du boycott des élections, élection présidentielle d'octobre 1997. Au SIF et à l'UDC vient s'adjoindre l'UNDP de Bello Bouba Maïgari. L'UNDP, le SIF et l'UDC, le SIF et l'UNDP boycottent les élections présidentielles de 1997. Ce qui se passe, c'est que au terme de cette élection présidentielle, le SIF et l'UDC se rendent compte que l'UNDP l'a floué. Parce que dans le gouvernement qui est formé au lendemain de l'élection présidentielle de 1997, Bello Bouba entre au gouvernement. Et Augustin Frédéric Kodok, qui n'avait pas digéré la trahison de Dakolé Dasser en 1992, décide lui aussi d'entrer au gouvernement en 1997. Du coup, l'UNDP, qui avait boycotté, mais son président est au gouvernement en 1997, le président de l'UNDP au gouvernement, et Augustin Frédéric Kodok décide lui aussi d'entrer dans ce gouvernement. C'est pour vous dire qu'en réalité, dans ce pays, il y a eu des phases comme ça de trahison politique au sein des regroupements de formations politiques qui s'entendent, mais après se disloquent sur la base de trahison. La première trahison, c'est celle de Dakolé Daïssala qui a empêché la première cohabitation au Cameroun après le retour au multipartisme. C'était donc au terme de l'élection législative du 1er mars 1992. La deuxième trahison, ça, je rappelle les faits, les boycotts, les cas de boycott et les conséquences qu'il faut tirer. C'est qu'en 1997, l'UNDP boycotte, mais décide quand même d'entrer au gouvernement. Et l'UDC et le SIF se rendent compte. Finalement, on ne va pas à la fois se rendre ridicule tout le temps. Ce qui amène, donc, je dis, ça va amener, n'est-ce pas, par la suite, le SIF a décidé, après notamment le boycott de 1992, qui lui avait privé de ses sièges, je rappelle, que dans le contexte historique de 1992, la formation politique la plus forte au Cameroun de l'opposition, c'était le SIF, dont les 68 députés que le NDP a eu en 1992, les 18 députés de l'UPC auraient bien pu aller au SIF. Alors le SIF, après 1992, avait donc décidé qu'il ne boycotterait plus les élections. C'est pour cela qu'ils sont allés aux élections législatives après, et on a vu l'entrée, n'est-ce pas, du SIF au Parlement par la suite, parce qu'ils avaient tiré les leçons de boycott de 92. Les razzias, bien sûr, et dans les communes. Des communes. Et je dois dire, et ça c'est important, il faut le signaler, ce n'est pas un cas de boycott, mais c'est le cas d'une réflexion, d'une introspection d'une formation politique qu'on appelle le SIF. Après avoir décidé qu'il ne boycottera plus jamais les élections, on a vu la razzia. Ils ont une razzia forte en 1996. Élection municipale 1996. Le SIF gagne la majorité des communes dans son bastion nord-ouest, sud-ouest, littoral, ouest. À Douala, par exemple, le SIF était sur 5 communes sur 6. Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième, sauf Manoka, où il n'y avait pas le SIF. Donc, une formation politique comme le MRC peut avoir tiré les leçons de son boycott. Et les leçons ne sont pas que négatives. Il y a les leçons négatives et positives. Parmi les leçons positives, c'est que le MRC, aujourd'hui, il faut le dire, a pu permettre un lessivage, un nettoyage dans ses rangs, a débusqué des gens qui n'étaient pas habités par une véritable conviction politique, qui ont laissé tomber les masques, qui sont venus en politique pour leurs intérêts personnels et non pour l'intérêt national. Ceux-là, je n'ai pas besoin de citer les noms, on les connaît, qui ont quitté le parti de manière fracassante, qui ont tenu des propos bizarres, qui ont rejoint la mangeoire pour parler comme au quartier. Et l'autre leçon positive, c'est que ceux qui sont restés dans les rangs, y compris en particulier ceux qui ont fait la prison, sont plus déterminés que jamais à jouer un rôle fort dans le cadre des élections législatives, municipales et présidentielles. Donc, je pense que il y a des leçons positives, il y a des leçons négatives. Parmi les leçons négatives, c'est que le fait que le MRC ne soit pas allé aux élections, il a laissé le couloir au RDPC, dont la plupart
étaient sûrs qu'ils ne seraient plus jamais élus si le MRC allait aux élections. Ils les ont laissés, ils se sont retrouvés à leur poste habituel. Ils ont eu presque tous les postes. Mais le constat qu'il faut faire, avant de terminer, Duval Fangoua, et qui m'a surpris, c'est que quand le MRC décide de boycotter les élections, ce que j'observe, c'est inattendu. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'observe la scène politique au Cameroun. C'est-à-dire, c'est le RDPC qui pleure. C'est-à-dire que qui estime que le MRC ne sait pas faire la politique, qui ne savent rien, comment ils ne partent pas aux élections, mais vous ne pouvez pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même. Cela signifie que peut-être les arguments qu'avance le MRC, et notamment son président national, qu'il y a un piège qui nous avait été dressé si on allait aux élections. On allait sûrement nous donner, ne pas nous donner la victoire qu'on aurait pu avoir au municipal, au législatif, pour faire croire que le président national n'a jamais gagné l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Il semble qu'il y en a un, Willy Mengue, qui a été dressé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à travers ce qu'il appelle l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Depuis quelques semaines maintenant, on apprend que cette opération produit des résultats. Jeudi dernier, le ministre Joseph Ley a rendu public un communiqué dans lequel il indiquait que le nombre de personnels déjà revoqués de la fonction publique par l'État a atteint 1408 parce qu'il y a 56 fonctionnaires qui ont été radiés d'office et quelques 900 également agents publics qui ont été révoqués parce qu'il y a eu une phase contentieuse qui a été organisée. On attendait 8776 personnes au conseil de discipline. Seules 601 personnes se sont présentées. Et au terme de cette opération, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ont été révoquées de la fonction publique. Il faut rappeler que c'est une opération qui rentre dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que l'État initie ce type d'opération pour assainir ce fichier solde. Il y a eu en son temps l'opération Antilope, il y a eu le CJPS 1, CJPS 2. Est-ce que, en observant cela, en analysant, n'est-ce pas, ces expériences passées, on peut avoir le sentiment que cette fois-ci, le ministre Ley est sur la bonne voie, ou bien on est dans une logique de mouvement immobile, pour reprendre une expression lancée comme ça par Célestin Monga vendredi dernier au JICAM à l'occasion donc du dîner organisé par le groupement interpatronal du Cameroun sur les questions économiques au Cameroun. Je crois que au niveau de la fonction du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, il y a deux concepts très importants qui ne datent même pas de l'ère Joseph Ley, qui était déjà là bien depuis, le concept COPE, le comptage physique des personnels de l'État, et le concept CJPS. Parce que le concept logiciel CJPS date là bien avant Joseph Ley. Je crois que c'est depuis Ange-Michel Angouen que le logiciel CJPS existe. Il y a donc ces deux concepts-là. Il faut bien regarder la position de l'un et de l'autre. C'est des concepts de complémentarité ou alors le CJPS ne tient pas compte du COPE, le COPE, le comptage physique du personnel de l'État. Ça, il faut regarder. Et aussi, un autre élément qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas en 2018 que l'un et l'autre des concepts commencent. C'est depuis 2006, en fait, sous l'administration de Polycarp Ababa, quand ce dernier était ministre de l'économie et des finances, sous l'impulsion des députés du SDF et du FMI. Alors que le Cameroun était en phase d'atteindre le point d'achèvement, initiative PPTE, il faut comprendre que le FMI ne comprend pas pourquoi toutes les politiques publiques développées en concertation avec le Cameroun n'avaient pas ces effets escomptés, c'est-à-dire en matière de maîtrise des dépenses publiques, en matière d'enveloppe allouée au développement social et économique. Le FMI vient donc une fois de plus en mission au Cameroun en 2006. Bon, si vous voulez qu'on valide aujourd'hui l'atteinte de point d'achèvement, il faut que nous comprenions en fond pourquoi est-ce que ça ne marche pas. C'est là où le collègue député du SIF révèle au FMI que non, attention, le serpent de mer est dans le personnel de l'État. Il faut qu'il y ait un fichier, un sommier du personnel de l'État qu'on appelle
le COPE, donc le contact personnel de l'État, ça va vous permettre de comprendre qu'en fait, l'État est obèse dans ce, au niveau des de ressources humaines et que cela affecte considérablement. C'est comme ça que pour le cas Baba, bien sûr que l'État était réticent parce que l'État n'a pas voulu tout de suite céder à cela, alors que c'était là le problème. Sous Polka Baba, on découvre donc qu'on est parti de 38 milliards comme masse salariale à 28 milliards. On comprend que chaque année, il y avait au moins 10 milliards de plus que l'État perdait. Lorsque le SIF mène ses calculs, il se rend compte que de 1987, il faut comprendre ça, en 1987, que le Cameroun tombe en crise économique. Jusqu'en 2006, ça faisait 20 ans. Au regard de ce pointage-là, c'est plus de, c'est pratiquement dans les 2000 milliards que l'État du Cameroun a perdu en 20 ans. C'est donc là où le COPE devait avoir une amplification importante pour permettre au CIGIPES d'avoir une base de données fiable. Parce que le COPE, c'est le sommier. C'est lui qui vous permet de savoir exactement combien de personnes l'État emploie. Quelle est la nature exacte physique du fichier solde de l'État? C'est le COPE, c'est le sommier là-bas. Et le CIGIPES, si lui puise dans le tout venant, il y aura un problème de données comme ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il y a une relation de complémentarité qui doit s'établir entre le COPE et le CIGIPES, ce qui n'est pas toujours le cas. Conséquence, le CIGIPES, puisant dans le tout venant, se retrouve avec des effectifs qui ne correspondent pas avec ceux du COPE. Ça fait donc une fois déjà, n'est-ce pas, encourager ce genre d'initiative. Le CIGIPES est encouragé, le COPE est encouragé, parce que c'est un problème qui concerne tous les Camerounais. L'État, qui est le nôtre, ne peut pas se permettre à chaque moment de dépenser des milliards en surplus pour payer des fonctionnaires fantômes ou des fonctionnaires fraudeurs ou des fonctionnaires qui n'ont même pas de statut. Vous voyez donc, c'est une initiative qu'il faut... Bien sûr, ceux qui n'existent même pas, c'est ça qu'ils appellent là-bas la fonction publique, les fonctionnaires fantômes, il y a plusieurs étiquettes. D'autres qui font la navette interministérielle, mais sans avoir un profil. C'est-à-dire, il y a le ministère de l'économie aujourd'hui, demain la planification, l'autre côté, il y a le ministère des arts et de la culture, mais il n'a même pas de profil, vous voyez, alors qu'il est marge dans l'office de sorcier de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CIGIPES, dans sa position actuelle, est tellement ambitieux. Il faut permettre à ce que ce programme-là soit parfaitement implémenté. Aujourd'hui, toutes les 10 régions sont connectées au CIGIPES, c'est vrai, mais les résultats ne sont pas encore ceux-là que l'État voudrait. Qu'est-ce qui fait les lourdeurs en dessous? Il faut interroger les différents canaux par lesquels l'État recrute. C'est-à-dire, on se retrouve agent de l'État, comment? Lorsque vous avez peut-être tonton Pierre, qui est le leader de la communauté, d'un arrondissement ou bien d'un département, arrive le week-end. Il rentre dimanche avec une pile de dossiers, les oncles, les neveux, la belle famille, les alliés politiques. Le mercredi, tout cela sont déjà à la SNI, à Camtel, au FECOM. Ils sont dans tel ministère. Le CIGIPES va perdre la logique de son logiciel. Ça fait une surcharge. Donc, c'est des pressions politiques qui sont là, une présentation négative dans le fonctionnement de ce logiciel-là. Il faut qu'on élève, on lève ce problème. Il y a un autre problème, c'est que en fait, la vulgarisation du CIGIPES ne devrait pas se limiter au niveau des chefs-lieux de région. Il faut aller jusqu'au niveau des arrondissements. Parce que l'État emploie depuis les arrondissements. Voilà quelques limites. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que les 10 000 de plus qui ont été révoqués et les milliards que l'État va pouvoir récupérer, c'est un palais de 30 milliards par an, en perspective, d'autre part de 40 milliards par an en perspective, c'est déjà très important. Mais il faut aussi se poser la question de savoir à quoi ont déjà servi depuis 2018 la récupération de tous ces milliards. Vous comprenez, parce que de 2018 en 2020, ils sont plus de 40 milliards. La deuxième section va au-delà de 2020, c'est celle qui est en cours. Ces milliards récupérés par l'État, est-ce que cela a permis quand même à l'État de pouvoir combler les déficits budgétaires et permettre à ce que si les puits manquaient dans telle ou telle zone, on puisse le faire. C'est ça, parce qu'il y a l'objectivité d'une action et l'impact social économique. Le CIGIPES ou le COPE sont des bonnes initiatives, mais la récupération, qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Et il faut comprendre qu'à partir de là, il est nécessaire pour toutes les autres administrations publiques de procéder à ce qu'on appelle l'ère du numérique. Parce que pour gérer l'État au XXIe siècle, c'est-à-dire c'est le numérique, c'est la digitalisation, c'est l'e-gouvernance, c'est-à-dire c'est la gouvernance électronique qui est importante. Il faut qu'on dématérialise nos administrations.
quelles sont les intentions de base ou les intentions centralisées. Il faut les dématérialiser. Il faut sortir de l'air du papier et de l'encre qui donne tellement d'avantages aux différents directeurs des affaires générales. Parce que quand on regarde qu'on va prendre le budget cette année-ci, ce sera quel nombre de rangs de papier, tel nombre de... Si vous voyez, c'est un goût, c'est beaucoup d'argent que l'État paie comme ça dans le fonctionnement de ses administrations. Or, si on passait à la digitalisation, ça ferait moins de dépenses publiques en matière de fonctionnement. Et cela permettrait même de contrôler les effectifs de l'État. Parce que vous entrez dans certains bureaux, 5 ou 6 pour une tâche. Le bureau, c'est une procédure. Mais on se retrouve avec 6 ou 7 agents. Il y a surcharge. Et c'est le chargé de l'État. Or, le CJPS a prévu tous ces segments-là dans la maîtrise des effectifs. Un État qui maîtrise ses effectifs est un État qui peut être rationnel dans la gestion de ses ressources humaines. Natacha Fadjimatou, au finish, hein, le tout, ce n'est pas d'être content, de savoir que effectivement il y a des fonctionnaires fantômes qui ont été démasqués et qui ont été mis hors circuit. Il faudrait que l'argent qui a été récupéré dans le cadre de cette opération puisse rentrer dans le budget de l'État et que cela puisse aider, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sinon, au finish, on dirait qu'on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Bon, permettez-moi, je vais sortir définitivement d'un sujet. Le RDPC a été tellement évoqué que je me ferais... serait un crime de lèse-majesté. Le RDPC, vraiment, ne s'occupe pas des autres partis. Si nous sommes appelés à parler de ces petits partis-là, en ce moment, c'est parce que, justement, j'ai l'impression qu'ils sont dans une opération qui lave depuis sensiblement une semaine. Et lorsque vous mettez cette thématique sur le plateau, par respect pour vous et pour votre télévision, je ne peux pas ôter cela du revers de la main. Le RDPC est un parti suffisamment structuré et implanté sur 360 dans les 360 communes du Cameroun. Le RDPC participe à toutes les élections. Si un parti politique, au soir où il annonce le boycott, n'a que 34 dossiers sur 180 possibles, vous comprenez qu'on n'a pas besoin... Vous avez vérifié vos déclarations. Hein? Vous étiez dans les commissions électorales du MRC en 2019 pour savoir qu'il y avait que 20 ou 30 dossiers. Le MRC a eu suffisamment de candidats. Je dis dans les 360 arrondissements, en termes de, moi, je sais de quoi je parle. Okay. Parce que j'étais dans ces commissions. D'accord. Il faut sortir de ce petit chantage. Il faut sortir de là. Le petit parti politique ne devrait pas vous préoccuper. C'est vous qui en faites une. C'est vous qui nous faites cette polémique-là. Nous avons dit qu'on ne parle pas aux élections. Nous portons notre pantalon. Ça vous sert? Ça vous dérange en quoi? Si nous disons qu'aujourd'hui nous partons, pourquoi ça vous fait encore notre problème? Alors, il faut laisser, ces petites paroles de caniveau et de quartier, Madame Natacha, quand elle est à ce niveau-ci. Il faut comprendre, on n'a pas tous les dossiers. Maintenant que vous avez fait la précision, Willy Menguin, maintenant que vous avez fait la précision, permettez à Natacha de répondre. Je te disais que lorsqu'on a 34 dossiers sur 180 sièges à l'Assemblée nationale et qu'on annonce le boycott, c'est normal qu'on est en train de faire dans le boycott stratégique, comme l'a évoqué M. Mono, c'était plus intelligent de ne pas s'exposer en démontrant qu'on était incapable d'avoir plus de 15-14% aux élections présidentielles. Ceci étant évacué, je reviens sur la question du nettoyage du fichier sol. Et j'en parle davantage avec satisfaction à partir du moment où ma petite personne a été à un moment donné dans le processus du comptage de ce personnel-là appelé à recevoir les fonctionnaires afin de les identifier. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que avant, les fonctionnaires envoyaient les documents, soit les présences effectives au niveau des services du personnel. On essayait de valider ou bien d'invalider la présence effective à travers les documents envoyés par la hiérarchie des fonctionnaires en question. Mais ce qui s'est passé pour cette fois-ci, la particularité, M. Duval, c'est que tous les fonctionnaires, parce que compte tenu, il y a eu un cas très... Bon, peut-être la presse en a fait des choux gras en son temps. Le Bouguette, c'est monsieur qui avait... Monsieur Lebou, il avait sensiblement 1 milliard chaque fin du mois. Et ce, pendant 10 ans, il a spolié carrément les caisses de l'État. Donc, et il était dans la chaîne, puisqu'il était au niveau des finances, responsable du CJPS, en quelque sorte. Donc, il était normal. Quel est le monsieur en ce moment? En ce moment, j'étais de disance que lorsque on se retrouve avec des gens comme ça qui sont appelés à assainir le fichier de l'État, le fichier sol de l'État, et qui se retrouvent être des prédateurs, qui distribuent les matricules à leur famille, à leurs petits amis, aux joueurs de son équipe de football, vous comprenez que l'État était carrément en difficulté.
quand on se retrouve avec des gens comme ça, ça fait que les gens étaient appelés à venir avec des dossiers physiques, eux-mêmes physiquement, pour se présenter avec leur carnet, leur récépissé d'immatriculation, parce qu'ils avaient été envoyés, tous les fonctionnaires et agents de l'État ont été appelés à sortir via le net leur certificat, leur récépissé d'immatriculation. C'est avec ces documents-là que nous validions la présence effective ou non de ces fonctionnaires-là. Et je vais vous rappeler que j'avais reçu une maman à l'époque, ça fait sensiblement un an. Elle est venue avec trois dossiers. Déjà, elle vient, je la vois du point de vue de l'âge, je vois que celle-là ne peut plus être fonctionnaire. Sauf qu'elle m'apporte un dossier, elle dit c'est sa fille, elle a accouché, elle a envoyé. Quand je prends le document, je constate que justement, voilà, une fonctionnaire qui n'était pas sur place, et elle a envoyé sa maman. Après, elle me donne encore deux autres dossiers. Des jeunes garçons, je dis, ah, ce sont tes fils également, ils ont aussi accouché. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y en a qui cherchent toujours le moyen de passer par les mailles du filet. Et il se trouve que ces gens-là, ces mêmes gens qui se plaignent, sont ceux-là qui protègent leurs enfants, qui sont à l'étranger, qui ont immigré, qui ont migré ailleurs, mais continuent à toucher de l'argent dans les soldes de l'État. De l'État normal, c'est insatisfaisant de savoir que l'État essaie de mettre hors d'état de nuire ces gens qui spolient les caisses de l'État. Et lorsque nous l'avons dit, ce qui est évident, ça permettra justement à l'État de faire de l'économie. Ça permettra à l'État de pouvoir prendre en charge des nouvelles personnes, des nouvelles recrues dans la fonction publique. Parce que vous vous dites, monsieur Fangwa, vous avez 8 000 personnes qui émargent à la solde. Vous savez qu'à tel endroit, il y a tel enseignant. Or, l'enseignant en question n'y est pas depuis des années, mais il est couvert. C'est pour cette raison que nous disons toujours que cette opération ne peut être réussie que si les Camerounais prennent conscience de ce que cela va de l'intérêt de tous les Camerounais et que les responsables dont ces fonctionnaires-là sont sous leur autorité, essayent de faire leur travail. Faire leur travail, c'est quoi? Ce n'est pas délivrer des présences effectives fictives aux concernés afin contre je ne sais trop quoi, afin qu'ils viennent se présenter le moment venu pour se faire identifier, pour se faire compter. Pas du tout. Et vous avez vu, ça fait sensiblement 2 mois qu'on a lancé le recrutement, on a recruté 3000 enseignants du côté de l'éducation de base. Nous pensons que cet argent également va permettre à l'État de davantage ouvrir la brèche aux jeunes Camerounais qui aspirent à servir leur pays. Et vivement que chacun fasse son travail à son niveau et que les lébous, nous n'en voulons plus. Ces gens qui distribuent, nous retrouvons des entreprises privés dont les fonctionnaires, dont les employés émargent au niveau du fichier solde de l'État. S'il fallait vraiment ouvrir cette fiche-là, je pense que plusieurs personnes seraient en prison en ce moment. Alcide Moulon, est-ce que cette fois, c'est la bonne? Duval, je pense que je resterai logique avec mes positions routinières. Parce qu'avec le système actuel, il est difficile de pouvoir espérer quoi que ce soit sans avoir vu le résultat concret. Si vous me demandez aujourd'hui de me lancer dans des ovations, encenser l'État, c'est oublier que ce même État ou ce même système, ce que j'appelle les gens de 82, ce sont eux qui ont créé toute une ligne budgétaire appelée la ligne 94, c'est-à-dire qu'ils ont pris en marge du budget de l'État, annuel de l'État, ils ont créé un para-budget, un budget parallèle, où ils ont stocké 95 milliards. Et ils se partagent les sous de ce petit budget en coulisses, en sourdine, entre petits copains opérateurs économiques. Ce sont également ces mêmes gens à qui vous me demandez de leur accorder une présomption de bonne foi dans leur démarche, qui ont créé une autre poche, la ligne 65, 400 milliards, pour pouvoir faire des missions
extravagante, parce que si un fonctionnaire se retrouve à faire en une seule année 600 missions, c'est-à-dire qu'il ne dort pas, même le week-end, il est au travail, et vous multipliez comme ça par deux, donc deux missions par jour. Donc ce fonctionnaire ne reste jamais au bureau, parce qu'il est toujours en mission, doublement en mission. Ce sont donc ces gens qui ont donc créé des poches de prévarication, des poches de ponçage de l'État. Ce sont ces gens qui aujourd'hui arrivent comme des nouveaux témoins de Jéhovah pour nous présenter une opération d'assainissement du fichier sol. Madame Fadima, tu as parlé des prédateurs. C'est effectivement, c'est de ça qu'il s'agit, des prédateurs. Et qui sont ces prédateurs? On a parlé de M. Lobou, présumé prédateur. Il a été condamné à 180. Dieu seul sait. Dieu seul sait le nombre de meetings financés par M. Lobou. Le nombre de mains levées faites par M. Lobou pour apporter le soutien à l'ordre dominant au niveau local et au niveau national. C'est tout simplement pour vous faire savoir que tout ce que nous vivons aujourd'hui avec ces histoires de fonctionnaires fantômes, c'est un réseau qui est bien entretenu par l'ordre dominant. Je dis bien l'ordre dominant. En 2006, il y a eu un scandale, je pense 2005-2006, où un commissaire de police du côté de Soa s'est retrouvé en train de toucher pratiquement 21 salaires. Et vous voyez que 21 salaires pendant des années, l'État n'a pas vu. L'État était totalement lobé. Il était désaxé. Mais c'est quel État qui peut se retrouver avec près de 10 000 fonctionnaires fictifs pendant des années sans s'en rendre compte? C'est pourquoi j'ai parlé au départ de l'État failli, du collapse state, c'est-à-dire l'État qui n'arrive plus à satisfaire ou alors à répondre aux attentes d'un État. Ça veut dire que des gens peuvent comme ça se retrouver dans un quartier ici à Yaoundé. Ils opèrent, ils font des entraînements militaires pendant pratiquement des mois. Des opérations à risque, on se souvient de l'affaire de la Mida, où des gens sont retrouvés ici vers la barrière. Ils ont commencé des entraînements. Cet État qui est souvent assez vigilant lorsqu'il s'agit de dire que bien n'est pas bon. On vous met sur écoute, on vous suit partout. Le renseignement est assez sophistiqué, mais ce même renseignement n'est pas assez sophistiqué pour détecter que M. Lobou est dans une histoire de près de 2000 salaires, que le commissaire en question est dans une histoire de 21 salaires. Je pense que c'est, en principe, c'est une affaire louable, une affaire appréciable. Mais connaissant ces gens, ils vont revendre les poches qui seront dégagées. Aujourd'hui, on va vous dire 10 000 postes, mais la logique est simple. Nous avions 10 000 postes fictifs et l'argent était dépensé. Maintenant qu'on a découvert, prenez 10 000 Camerounais et mettez-les et donnez-leur cet argent. Mais ça ne sera pas le cas. Mais je me dis, notre pays a atteint un niveau de putréfaction qui fait que des odeurs comme celle des 10 000 fonctionnaires fictifs ne soit plus un événement pour nos narines. Parce qu'il y a plus que ça. Il y a des détournements. On parle des 3 000 milliards de l'argent de la CAN. Nous avons des milliards de la COVID. Nous avons tout cet argent qui est en divagation. Voilà la ligne 94. On parle de près de 5 000 milliards dilapidés en 10 ans. Et on nous dit que c'est plutôt ces petits milliards qu'on va récupérer dans le cadre de cette opération d'épuration du fichier sol de l'État. C'est sur ces milliards qu'on va compter désormais pour être émergent? Non. Si on veut être sérieux, il y a des gros dossiers sur lesquels l'État devrait normalement s'apesantir. Je ne relativise pas, mais je dis tout simplement dans l'ordre des priorités, on devrait d'abord commencer par des dossiers lourds comme celui de la CAN. À ce moment-là, on pourra donc accorder une présomption de bonne foi à l'État pour ce qui est des dossiers subalternes. Et donc, quand on sort de l'émission, on est tenu par les impératifs du temps. Sur cette question-là, au regard des opérations antérieures qui ont été menées dans le sens d'assainir le fichier sol de l'État, est-ce que, pour une fois, on peut penser qu'on est sur la bonne voie et qu'on pourra tirer les dividendes de cette opération pour améliorer le quotidien de vie des populations?
Oui, je vais dire un dernier mot sur le thème précédent, avant de répondre à votre question, malgré le temps qui court, pour dire, en apportant des précisions, que le SDF, après avoir boycotté l'élection, les élections législatives du 1er mars 1992, a obtenu 43 députés en mai 1997. L'UDC, qui avait boycotté également les élections législatives, a obtenu la totalité des sièges du Noun, du département du Noun, en 1997. Et a obtenu la majorité. A obtenu la majorité des communes dans le département du Noun. Je m'en souviens même. Le défunt maire de Foumban, Adamou Damdjéa, avait battu le sultan en 96 pour gagner la mairie. C'est pour dire que, je l'ai dit tantôt, pour le SIF qu'il avait gagné également beaucoup de communes quand il est allé aux élections municipales en 96. C'est pour dire que le boycott n'est pas forcément une mauvaise chose. Et l'expérience au pays a montré que les partis qui ont boycotté dans le passé, comme le SIF et l'UDC, ont par la suite eu de grands résultats, malgré le système électoral qui n'était pas toujours bon, mais qui s'est amélioré progressivement lorsque ces formations politiques se sont réunies et ont fait des marches, des manifestations pacifiques, ont fait des revendications, et ça a fait bouger les choses. Parce que ces partis politiques de l'opposition, à l'époque, UDC, SDF, UNDP et autres, réclamaient la Commission électorale nationale indépendante, qu'on n'a pas eu jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont permis, par les actions qu'ils ont menées sur le terrain, et même sur le plan institutionnel, qu'on évolue de l'Observatoire national des élections à Elections Cameroun. On a même eu ONEL 1, ONEL 2, avec des améliorations, et les CAM 1 et les CAM 2, avec des améliorations également. À tel point qu'aujourd'hui, les CAM est d'accord pour qu'on modifie certaines dispositions du code électoral. C'est dit que le MRC peut, d'après ce rappel historique concernant les zones de formation politique, engranger également de grands résultats lors des prochaines élections. Maintenant, sur la question, en 45 secondes, l'assainissement du fichier sol de l'État est une très bonne chose. Mais il faudrait que ce travail ne devienne pas, j'allais dire, une éternelle opération qui ressemble au mythe de Sisyphe, c'est-à-dire un éternel recommencement. Éternel recommencement parce que on pose des actes forts, on assainit, on voit les résultats. Mais très vite, dès lors qu'on oublie, les mauvaises pratiques recommencent, continuent, et l'État perd encore beaucoup d'argent. On l'a vu, le travail qu'a mené le ministre des Finances à l'époque, Abba, qui a permis vraiment d'obtenir plusieurs milliards à travers des opérations qui ont permis de dénicher des fonctionnaires fictifs. Mais très vite, les mêmes pratiques sont revenues et le nouveau ministre des Finances pose des actes qui permettent de dénicher encore des fonctionnaires fictifs. Mais si on doit recommencer de manière incessante, récurrente, cela signifie qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est que c'est l'impunité. Et il faut un organe de surveillance qui fait en sorte que, lorsqu'on a corrigé, puni, que cela ne recommence plus. C'est ça la question. Voilà. Et bien évidemment, ça renvoie à la question de la gouvernance, ça renvoie à la question de la transformation des mentalités. Et ce sont des notions qui ont été évoquées vendredi dernier, je le disais tout à l'heure, au siège du groupement interpatronal à l'occasion du débat patronal qui est organisé donc par le JICAM sur le thème « Transformer l'économie camerounaise ». Défis, opportunités et stratégies. On aura l'occasion de revenir sur les propositions qui ont été faites par les uns les autres au cours de ce débat où l'invité principal était Célestin Monga. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Willy Mungue du MRC. Merci à Edmond Kamga, éditorialiste consultant. Merci à Aristide Moulon, analyste politique. Et merci à Natacha Fadimatou Bengono du RDPC. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse de ce dimanche 16 octobre 2022 en direct de Yaoundé. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.